しましょう友達を連れてき提供でお送りします。 Hop, hop à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce live. Je suis No. Et comme vous avez pu voir dans le titre que j'ai changé à la dernière minute, ce soir on va faire un petit peu de Unity. Alors, j'avais prévu peut-être un live sur Blender, on va peut-être faire du Blender ce soir, en tout cas on va faire tout ce qui est mise à jour graphique pour Swiss Knife Project. On va donc encore un peu parler de shader, on va encore parler donc de materials, on va parler aussi peut-être d'éclairage, voilà, des notions qu'on a déjà vues ensemble lors de précédents lives sur Unity. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Je reviens sur tous les points que vous n'avez pas compris ou qui vous posent question. Hein. J'estime que bon, j'ai déjà répondu à pas mal de choses, mais vous ne pouvez pas avoir vu toutes mes vidéos, tous mes lives sur Unity. Je le comprends bien. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, je ne vais pas beaucoup parler, je ne vais pas beaucoup expliquer ce que je fais. Un minimum, on est en live, faut quand même que ce soit agréable à regarder. Si c'est un mec qui fait son truc en silence, c'est pas très intéressant. Mais voilà, dans l'absolu, je vais pas beaucoup parler. Je vais surtout bosser sur la mise à jour graphique qui normalement devrait sortir donc courant juillet, maximum début août. Et je pense qu'à partir de là, on laissera Swiss Knife de côté. On fera encore une nouvelle pause. Au niveau des cours sur Unity jusqu'à la sortie de cette rentrée scolaire d'Oshimago, comme je vous ai dit. Et là, à ce moment-là, on parlera d'autres choses sur Oshimago, comme par exemple le mode multijoueur, comment créer un mode multijoueur sur un jeu vidéo, comment j'ai fait pour faire le shader et les scripts un peu en mode Splatoon, donc d'encre qui s'inscrivent sur le terrain, etc. Voilà, on parlera des aspects d'Oshimago qui sont propres Swiss Knife. Voilà, j'ai pas trop abordé les aspects propres à Swiss Knife, puisque comme vous le savez, je l'ai fait avec Invector, et que ça ne m'appartient pas, donc je ne peux pas vous faire de cours sur Invector. Ça me semble logique. Bien. On va aller scène par scène, voir un petit peu s'il y a des modèles ici et là qui ne vont pas. Tac-a-dac-a-tac. Cette scène, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Non, cette scène, il n'y aura pas grand chose à faire. Extérieur, je pense pas non plus. Tout ce qui est Night Night, je l'ai fait à la fin. En général, j'ai mis beaucoup plus de soin à l'esthétisme et au graphisme dans les dernières scènes. Voilà le petit camion. Peut-être le camion qui est un petit peu brillant, bizarre. On va voir
SKTruck, ouais, je pense qu'on peut l'améliorer. Ok, alors. Petit topo très rapide. Donc, qu'est-ce qu'un shader? Un shader, c'est un script qui est attaché à un materials. Materials, c'est le vrai mot pour parler de la texture. La texture, c'est un petit peu le mot barbare qu'on utilise pour parler des materials, donc de l'aspect graphique des modèles en 3D dans les jeux vidéo. La texture ne parle de cet aspect-là que pour les jeux en 2D. Dans un jeu en 3D, il n'y a pas de texture. La texture, c'est une image qu'on va mettre sur un materials, et ce materials a un script attaché qui s'appelle donc un shader. Quand vous voyez dans un jeu vidéo shaders are loading, c'est que voilà, ces scripts-là sont en train de se charger et que tout l'aspect éclairage, justement l'aspect de texture, alors pas dans le sens texture, hein, mais dans le sens français de la texture, est-ce que c'est granuleux, est-ce que c'est lisse, est-ce que c'est métallique, voilà, cet aspect-là. Et comment ça va rendre la lumière, si c'est métallique, si c'est granuleux, si c'est machin, etc. Comment les couleurs vont se comporter, est-ce que c'est transparent, est-ce que c'est mat, est-ce que c'est opaque, etc. Donc la texture, voilà, c'est l'albédo, ce qu'on appelle, le terme technique, ça s'appelle un albédo. Et c'est une image 2D qu'on va accoler donc à une boule. Bon, ici une boule pour le render, hein, pour l'aperçu. Et une fois qu'on va mettre ce matériau sur un objet, voilà, ça va créer, comme on dit, sa texture. Moi, vous ne m'entendrez pas dire il y a un problème de texture, vous m'entendez toujours dire, même quand on est dans Zelda, il y a un problème de materials par exemple, ou j'aime pas ce material. Bon, c'est mon boulot, hein, de développer des jeux, donc forcément je me trompe pas, mais essayez de prendre aussi cette même habitude parce que ça peut porter à confusion quand on parle de texture. Dans un jeu en 3D, par exemple, des fois il peut y avoir des affiches publicitaires qui sont des planes, donc des objets plats. Là, c'est une texture. Donc, nous, on était en train de parler de notre petit SKTruck, donc la texture, le materials de nos camions dans le jeu. Donc, il y en a en plusieurs couleurs, mais j'ai gardé finalement que celle-là qui était mate, qui était la couleur de base. On rappelle que je vous en avais parlé de toujours exporter votre texture en nuances de noir et blanc pour pouvoir ensuite avec la couleur de votre shader le modifier après. Bon là on voit que ça rend pas oufissime avec les plusieurs couleurs à part en rouge, c'est plutôt sympa, mais bon un camion rouge comme ça c'est un peu flashy. Bref, oui, on va voir un petit peu les aspects de ce SK Truck et puis après je répondrai à vos questions s'il y en a qui arrivent en cours de route, mais on va rester dans les détails, hein. Donc SK-Truck, on a notre albédo. La normal map, je vous expliquais, c'est ce qui donne un aspect justement un peu 3D à votre texture. Quand vous êtes sur un modèle et que parfois il y a des petites aspérités, comme des petits bubons par exemple, on avait vu avec les champignons pour donner un aspect de moisissure, il y avait des petites crénelures et tout sur mes champignons. C'est pas sur le modèle que j'ai fait ça, hein. Le modèle 3D il est tout lisse. On peut ajouter une normal map à ces materials pour donner un aspect un petit peu de 3D, un aspect justement texturisé du modèle. Ça évite justement de perdre des ressources avec des polygones qui vont être là juste pour donner un tout petit aspect. Ici, il n'y en a pas. Parce que bah, il n'y en a pas, le camion, il n'a pas forcément à avoir une normal map. J'aurais pu en mettre une pour accentuer les portes arrière, pour accentuer la vitre par exemple, ce genre de choses. Bon après comme je vous ai dit, hein, Swiss Knife c'est un vieux jeu que j'ai développé il y a déjà que j'ai commencé à développer il y a déjà 4 ans, à développer, à penser, à réfléchir il y a 4 ans, j'ai commencé le développement il y a 3 ans. On va pas se baser sur des choses ultra complexes, on verra ça pour Oshimago et pour Triangle, les prochains jeux que je suis en train de développer, où là effectivement j'ai quand même mis plus la patte graphique en avant parce que bah forcément les gens c'est un petit peu ce qu'ils retiennent. Le tiling on avait vu que c'était pour pouvoir tirer voilà, notre texture sur notre materials quand il n'est pas forcément aligné avec le modèle, s'il y a un petit décalage ou si on
on veut ce modèle de camion, mais qu'on en a fait un différent, mais qu'on veut garder le même materials pour éviter d'en recréer un, etc. Pour gagner du temps, on peut utiliser des tailings et le offset. Offset, c'est pareil, hein, ça va décaler. Le tailing, ça va agrandir ou rapetisser. Je passe vite fait donc sur ces petites options. Le light. La light, donc c'est tout simplement, comme on le voit sur la petite sphère, c'est tout simplement à quel point la lumière va être projetée sur un côté. Donc je le rappelle en vitesse parce qu'il y en a peut-être qui n'étaient pas là la semaine dernière, hein, même c'est très probable. J'utilise ici un shader de cell shading, un shader toon, qui va donc réagir un peu comme dans une BD ou dans un manga, voilà. Qui va réagir différemment d'un shader qui va se vouloir réaliste et qui donc va restituer la lumière comme en vrai, avec beaucoup d'estompage au niveau des ombres et de la lumière, avec des reflets qui sont très réalistes. Là, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur quelque chose de très cel-shadé. Et donc, pour la light, voilà, c'est à quel degré la light va être rendue sur le modèle et est-ce qu'on veut beaucoup de smoothness, donc d'estompage. Ou pas. Nous, on n'en veut pas. Le but, c'est d'avoir justement un modèle cel-shadé, donc on veut pas beaucoup d'estompage. On n'est pas dans Zelda Breath of the Wild. Les shadows, donc highlight color, ça va être tout simplement la couleur qui va être rendue via le highlight. Les shadow color, c'est tout simplement la couleur, voilà, qui va être rendue via la shadow, via l'ombre. Donc ici, on va laisser en noir. On va un tout petit peu baisser l'intensité, parce qu'effectivement, on a envie quand même que ce soit pas tout noir. Il y a des lumières un peu bleutées, c'est ce qu'on veut. On veut que ça rende un petit peu la lumière qu'il y a autour. Le specular, c'est l'aspect brillance. Voilà le petit côté lumineux qu'on voit des fois dans les mangas, faire ressortir un petit peu la lumière. Le specular, pareil, on peut lui changer sa couleur. Nous, c'est pas le cas non plus. Et même, j'ai envie de vous dire, c'était très bien avant. Et le rim, donc, c'est cette transition. Voilà, cette transition entre la lumière et les ombres. Voilà, ça paraît un peu technique. Mais finalement, vous allez voir au fur et à mesure que je vais modifier. Que je vais modifier ces modèles, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Et le outline, on a dit qu'on n'en voulait pas. On va essayer d'enlever le plus d'outline possible ce soir. Parce que les outlines, c'est le contour noir qu'il y a dans beaucoup de jeux en cel shading, notamment Wind Waker ou Beautiful Joe, où on voit un gros contour noir autour de certains personnages ou autour de certains objets. Alors pour certaines choses, on va peut-être les laisser parce qu'il y a certaines choses où ça rend bien d'avoir un outline. C'est dur à prononcer dans une phrase en français, je trouve. Mais voilà, en gros, on va quand même essayer d'en enlever le plus possible. Surtout quand ils sont à 0,0005, qu'on les voit pas. Autant les enlever et qu'il n'y en ait pas du tout. Ok, alors je vais peut-être faire une normal map finalement parce que... Ouais. Je sais pas, ils sont un peu lisses les camions là. C'est un peu mieux, mais c'est le rim surtout que j'aime pas. On peut le mettre un peu en grisé comme ça. Ah, c'est mieux. Trop de rime. Ou rime, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est mieux. Et le specular, on va enlever un tout petit peu de shininess. Voilà. Nickel. C'est mieux, hein. Ouais, franchement, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ok, là on a encore du coup, vous voyez là par exemple il y a des outlines.
Base color. Voilà, c'est mieux. Alors, il y a des materials que j'utilise hein, qui ne sont pas forcément les miens, que j'ai pris d'assets gratuits. Par exemple, ces modèles-là, voilà, sont pas de moi. Il y en a quelques-uns, voilà, que j'avais pris au début et au final, je les ai gardés parce que je trouvais qu'ils correspondaient à l'univers de Swiss Knife et qui rendaient pas bizarre avec les modèles que j'ai créés. Donc, on va rester là-dessus. Je vais pas recréer. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, ça fait un moment que je suis sur ce jeu. Je voudrais le finir. Et là prochainement, je vous dis, on va faire la petite mise à jour graphique, histoire que le jeu soit bien pimpant. Et après, on va lancer la vague de promotion, baisser le prix du jeu en plus de la vague de promotion dans un premier temps. Donc le jeu va se retrouver à 1€ ou 2, un truc comme ça, 1$ ou 2 même. Et après, on passe sur les autres jeux. Hein. C'est bon. C'est bon, Swiss Knife. C'était une super aventure. Je suis vachement content. Je suis vachement content d'avoir fini ce jeu. Je suis vachement content d'avoir pu faire ça seul. Parce que hein, j'ai fait solo. Pour ça que voilà, des fois, il y a des petits trucs que j'ai pris d'assets gratuits, tout ça, pour me faire gagner du temps, de l'énergie. Il y a des trucs des fois qui paraissent peut-être un peu brouillons. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je me coupe moi-même la parole, mais. L'effet voilà métal, un petit peu le sol métallique antidérapant, voilà, ça c'est pas sur le modèle. Le modèle n'a pas ces petits losanges incorporés à lui, c'est une normal map. Et pourtant on a l'impression hein, que c'est un peu en 3D. Alors on se rend compte quand on longe que ce n'est pas en 3D, que c'est de la texture, quoi, que c'est de la 2D qui donne une impression de 3D, mais voilà, ça évite de perdre beaucoup de compétences, enfin de performances, pardon. À cause de polygones. Alors peut-être que dans les nouveaux jeux en 3D très réalistes comme Detroit Become Human, tout ça, on n'utilise pas tellement les normal maps et on le fait directement sur le polygone. J'ai pas idée vraiment de comment ça fonctionne. J'ai pas beaucoup fait de jeux réalistes. Je ne me suis pas beaucoup penché sur les shaders réalistes. Mais je pense que non, je pense qu'on utilise quand même beaucoup de normal maps aussi, même pour les choses réalistes. Ça me paraît logique de pas vouloir perdre. De performance comme je viens de dire à cause de polygones. Alors ça c'est pareil, Greek Combined, on va diminuer les outlines. Vous voyez hein, ça peut être aussi tout simplement un matériau sans texture. Là il n'y a pas de texture par exemple, c'est pour ça que c'est bête de dire texture, parce que des fois il n'y a pas de texture. Là, par exemple, il n'y a pas d'albédo, donc il n'y a pas de texture. C'est juste une couleur mate, une couleur mise sur un matériau, quoi. Et ça, c'est vrai pour toutes, là, tous les matériaux, ce que j'ai là. C'est juste un matériau avec une couleur. Donc voilà, utiliser le terme texture, bah, on comprend parce que c'est pas faux, c'est une texture, on comprend ce que ça veut dire une texture, mais ça marche pour Mario quoi, ça marche pour les jeux Mario de 1988 en 2D ou pour Megaman quoi, ça marche pas pour les jeux en 3D actuels. Parce que ce ne sont pas des textures, ce sont des materials, c'est plus qu'une texture. Ça on n'a pas... Ouais, il est bien celui-là, il est bien, je vais travailler déjà. Ok, ça me semble pas trop mal. Ça me semble pas trop mal. Il y a un petit peu de superposition ici. Voilà. Ok. Cette scène, c'est pareil. On passe à la suivante. On va faire ça. Hein. On va passer à la suivante. On va se faire toutes les scènes. Et puis quand j'aurai fini, on fera le live. Tout simplement... Alors cette scène elle bug beaucoup, j'aimerais savoir pourquoi. On va faire un peu de boulot de...
d'optimisation en même temps. Capsule collider. Si on peut s'éviter des colliders, c'est avec plaisir. C'était surtout le rendering hein, qui était haut dans Rigid Body. Quoi. Pourquoi elle a un Rigid Body hein? Non. Faut que je laisse l'animateur parce qu'elles ont des pauses. Elles sont pas animées mais elles ont des pauses. Donc si je désactive l'animateur, elles vont être anti-pause. Elles ont déjà leur pause, mais bref. On va juste laisser l'animateur du coup. Que je fasse pas de conneries. Ça, non, il n'y a pas besoin. Ça, non, il n'y a pas besoin. Ça, non, il n'y a pas besoin. Ça, il n'y en a pas. Statue pause. On peut enlever rigid body. On peut enlever collider. Ça sert à rien. Ça, on peut l'enlever. Ça ne sert à rien. Voilà, ça, carrément, là, il y a un nav mesh et tout. Je pense qu'on est un peu mieux, on va sauvegarder. Et je pense qu'au niveau de la scène, ça a pas l'air trop critique au niveau des shaders. Je m'excuse hein, si je tousse d'avance. Encore un petit peu malade. De la maladie exotique que j'ai chopée à la TwitchCon. Hardcore. Je m'en remets pas. Ça c'est pas. Pas possible autant d'outline comme ça. Ok, yes, pas mal. Ça, par contre, on va le modifier un peu. Baratrom Object Bronze. Voilà. Ok, c'est pas mal. Ah, c'est mieux, hein. Waouh. Un coup là, deux options et on est mieux quoi. Et Shadow, pareil, on va hop mettre en marron foncé, Shadow Intensity. Non, on veut un truc un peu. Ouais. C'est mieux, hein. Ouais, c'est carrément mieux. Et là, ça va être pareil, Baratroom. On va rajouter. On va. Hop. 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 Voilà. C'est bien mieux. Bien, bien mieux. Et ça, c'est pareil, Baratroom. On va enlever un peu d'outline. Alors, vous voyez quand je vous dis les outlines, ça peut être grisant. C'est mieux. Il n'y a pas photo. Baratrom Object Rem, yes. C'est ça que je veux voir. Voilà. Ok, on est un peu mieux.
Ok. Scène suivante. Alors, il n'y aura peut-être pas 3 heures de live ce soir. Hein. Vous connaissez sur Unity, en général, on fait plus 2 heures, 2 heures et demie que 3 heures. En même temps, on fait l'objectif. Hein, et puis, quand on a fini, on va pas. On va pas rester à Milan. Ok. C'est pas ça que je veux. Bricks, yes, voilà, c'est ça que je veux. Frame size, intensity, smoothness. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu mieux. Là, par contre, ouais, j'aurais pu faire une normale map. Parce qu'effectivement, l'aspect gravier, il est un peu plat. Est-ce que je peux faire ça avec vous vite fait? Normal map, generator, on va pas s'embêter à la faire à la main. Normal map online, voilà. Et donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. Ça, c'est le rendu de la normal map. Donc on a notre texture, notre normal map. Donc là, c'est une height map, c'est pas une texture. Mais bon, voilà, vous comprenez le délire. Voilà, picture. Et on a cet aspect un peu 3D quoi, on a l'impression qu'il y a une vraie qu'il y a une vraie texture sur le modèle quoi. Normal AO, specular. Ouais. On peut mettre une ambiante, on peut mettre une specular map aussi. Et donc là vous voyez on peut mettre aussi une height map. Comment je vais faire par contre pour copier-coller? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ah, mais on en a déjà une! Oh là là, et je l'ai pas mise. Et je ne l'ai pas mise, honte à moi. On en a déjà une, donc bon voilà, vous avez vu un petit peu comment on fait. On importe ici notre texture, ou notre height map, peu importe. Elle va être transformée ici en normal map. Il n'y a plus qu'à la télécharger. On la met dans le slot normal map. Donc là, c'était rail. Voilà, c'est ça. Map corail. Railstone, voilà, c'est ça. Railstone, voilà. Et on se rend compte, ouais, tout de suite, c'est plus pareil. Tout de suite, il y a un aspect caillou qui est bien agréable. Ok, Shadow Intensity, on va augmenter un petit peu. On va mettre Highlight Color en grisé. Voilà, c'est pas mal. Rim Size, hop, Intensité, ici, Smoothness. Au minimum. Ouais, c'est mieux. Hein. Ça ressemble beaucoup plus à quelque chose, on est d'accord. Hein. Ok. Alors ici, il y en a une aussi de texture qui est pas foufou. Rim size. Ok, specular. Yes. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Le tissu rend mieux, je trouve. Il est un peu flashy quand même. Tense. Il est un petit peu flashy. Voilà. Un tout petit peu. Pas beaucoup, mais on va juste un tout petit peu pastelliser la couleur. On est tombé sur un objet à loot. La Rebel Scarf. Pareil, Rebel Scarf. Voilà, on va un tout petit peu pastelliser. Voilà, que ce soit un peu moins flashy, les couleurs très flashy. C'est mieux pour les personnages. Le Oni, il est cool. Les bambous, ils sont cool.
Les arbres, il n'y a pas grand-chose à dire, ça passe. Les maisons, ça passe aussi, bien entendu. Yes. Je pense que la dernière mise à jour que je ferai sur Swiss Knife, peut-être justement cet été, ce sera une mise à jour pendant la phase de promo, tout ça, ça sera pour mettre en place les événements dans l'année, les événements annuels, la Saint-Valentin, Noël, Halloween, parce que je faisais des événements à chaque fête annuelle. Donc il y a un petit événement quand il y a Halloween, il y a un petit événement quand il y a Noël, il y a un petit événement pour Pâques, pour la fête du Nouvel An lunaire. Et puis il y avait un événement aussi l'été, Barbecue Fest, ou je sais plus comment je l'avais appelé. Non, ça c'est dans Dead by Daylight. C'était le Summer Fest, voilà, avec un grand concert sur la plage de Barkhane, donc l'île avec le volcan. Je pense que je ferai une mise à jour, et là on verra peut-être justement en live, ça pourrait être intéressant de vous montrer comment prendre la date sur l'ordinateur pour déclencher des choses en jeu. À ce moment-là, ça pourrait être intéressant justement de faire ensemble le petit script qui va dire que bah quand on est du, je sais pas, du 24 au 26 décembre, et ben sur le Mont Shelegh, il y a l'événement de Noël qui se déclenche. Quand on est le 14 février ou entre le 13 et le 16, il y a l'événement Saint-Valentin qui se déclenche, etc. Voilà, le 31 octobre, il y a Halloween, blablabla. Petit tour du dojo, ouais, merci. Ok. Les Sakana, est-ce qu'ils ont un problème avec leur texture? Je suis pas fan fan. Je pense qu'on peut déjà. Voilà alors. Wow. 0,1. Voilà, c'est mieux. Est-ce qu'on peut pas rim size? Intensité. Faire en sorte que la rime soit. Intensité, ouais, on s'en fiche un peu. Ça, c'est pas mal. Non, ça, on veut pas de smoothness. Et au niveau du tiling. Ok, donc c'est mieux 0,2 effectivement. C'est un bon exemple parce que j'avais. C'est une texture de carpe, mais elle collait mal avec le modèle. Donc c'est un bon exemple justement de quand utiliser ou non le tiling. Pareil. Ah oui, ça. Tori. Voilà, c'est bien mieux, hein. Rim size. Intensité. Hop, smoothness 0. Ah, c'est mieux. C'est franchement mieux. Franchement, franchement mieux. On va voir un peu le personnage. Et ben les bleus, c'est bien aussi, c'est mieux. Quand il y a de la lumière, ils répondent un peu mieux, je préfère. Il y avait celui-là aussi. Hop, Toon Sakana 1. Pareil, rim size. Au minimum, au minimum. Au minimum, non, mais. Yes, c'est mieux. Ouais, c'est carrément mieux. Carrément mieux. Wood 6. On va enlever un petit peu de outline. Voilà. Voilà. Certains éléments, c'est bien de garder un tout petit outline, ça rajoute un côté cartoon. Mais si c'est trop gros, c'est pas. Ça sert à rien. ATM beige. Ouais, et ça. Wood 4.
Ok. Oh, par contre. Ouais. Ah, par contre, c'est aussi sombre. Ok, parce que c'était pas la même chose. Très bien, double-sided. Mktoon, free, merci. Outline 0.01. 0.0001. Voilà. Rim. Comme ça c'est pas trop mal. On va rajouter du coup rim color, voilà, un peu plus boisé. Shininess, ça n'a pas l'air de changer grand chose. Shininess, ça marche pas bien sur la donne gratuite. On verra la donne payant sur lequel j'ai vraiment bossé du coup pour Oshimago, parce que là c'est la donne avant que je bosse avec avec Michael qui a fait Mktoon. Et du coup, il y a beaucoup moins d'options. C'est beaucoup plus basique. Vous vous doutez. Not bad. C'est bien mieux. En tout cas, déjà, on voit le comptoir. Avant, c'était un bloc noir. Là, au moins, on voit le comptoir. Ok, ici il y a des boutiques fermées. Ok, ici c'est bizarre par contre le flicker de Bricks. Oh, pardon, je vais éternuer. Normalement demain ça ira mieux. Je vais arrêter de vous saouler avec mes éternuements et ma toux. Ça a l'air de passer un petit peu. Ok. Bon, ici, il y a un petit quadrillage bizarre au niveau de la lumière, mais je crois qu'en jeu, ça se voit pas pareil. Ok, les rochers, c'est beaucoup, beaucoup mieux ce qu'on a fait la dernière fois. Le torii, c'est bien plus joli. Ouais, le torii, c'est vraiment mieux. Par contre, là, on voit mal. Non, pas Tori, justement. Ah, ouais, ça prend la texture de Tori. Bizarre, alors que ce soit aussi noir. Ah, c'est le tiling. On va prendre tuile. C'est un peu plus joli. On n'y voit pas grand chose, mais au moins. Bon, au moins il y a une couleur, on n'est pas sur un truc noir sans reflet. Très mood. Ça change que dalle. C'est vraiment trop dans l'obscurité. C'est pas grave. Et ici, est-ce qu'il y a besoin? D'aller pareil, ça a l'air d'être cool. Ouais, ici du coup on a la normal map, ça rajoute carrément quelque chose. Ok, on save et on passe à la suite. Ouais, déjà 3 quarts d'heure de live, et ben tellement vite. King Tower. Alors est-ce que c'est la bonne? Ouais, c'est la bonne. Alors là on est sur du bois qui réagit pas forcément comme j'ai envie. Rim size, intensity, smoothness. Ouais, 1000 fois mieux. Hein. 1000 fois mieux. Yes. Les petits lampions sont cool.
Et l'entrée est franchement sympa, j'aime beaucoup l'entrée. Grand-chose à retoucher. Non, c'est cool. Les rochers sont vraiment mieux. Les rochers ont une vraie texture tout nid. Hein. Enfin, une vraie texture. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Ok, King Tower, c'est bon. Est-ce que je mettrais pas un petit. Je vais vous mettre un peu de musique en fond. On peut se mettre la BO de Swiss Knife. Voilà, au fond, qu'on m'entende quand même parler. Donc la musique, c'est la BO de Swiss Knife, hein. Ceux qui se demandent. Voilà. C'est ça qu'on voulait. Nickel. On save, on va aller ailleurs. Barrière Umi, est-ce qu'on fait les boss? Allez. On va enlever un tout petit peu d'outline. Ouais, c'est bien mieux. Et oui, sinon tous les boss sont inspirés de Pokémon. À vous de retrouver. Il y en a peut-être un ou deux qui ne le sont pas, mais la grande majorité des boss sont inspirés de Pokémon. C'était un petit peu le défi au début que je voulais faire. Donc là, on est clairement sur du low class, hein. Je clique direct parce que tous les autres mobiliers et tout, on l'a vu déjà. Déjà travaillé de toute façon cette scène. Alcharou, oui, sauvegarde si tu veux, on n'a rien fait. Alcharou, je pense qu'il n'y a pas grand chose à toucher. C'est une scène qui est plutôt jolie, je trouve. Plutôt bien réussi au niveau des éclairages. Astérion peut-être. Astérion, il y a peut-être quelque chose à faire. Oh, la reine est bien plus jolie, hein. Alors, pourquoi il est brillant bizarre? Astérion Body, d'accord, c'est pour ça. Yes, ça va, mille fois mieux, Astérion. C'était en fin de la gueule. C'est bien ça. Pareil, Astérion. Au niveau de ta fourrure, mon gars. Voilà, j'ai une dalle de singe là. Il a une normale map. Ouais, qui correspond pas, mais. Ah, il est mieux. Il est mieux déjà. Ma photo. Par contre, sa petite. Members Metal, non, c'est pour ça. MK Toon, Free, hop, on enlève les outlines. Rim, tac, tac, et tac. Ouais, c'est mieux. Pareil, on va mettre un petit gris vert, pardon. Hop, voilà, bien mieux. Ouais, fou. Rien à voir.
Je vais prendre un coup de neuf, ça va faire du bien. Voilà que ça correspond au Swiss Knife, parce que les Swiss Knife, c'est... C'est le personnage principal, voilà, il y a quand même un effort au niveau de la texture, quoi. Les sons s'enchaînent pas forcément comme il faut, désolé. Je vais peut-être baisser un petit peu, hein, vous allez entendre que le son. Hein. Voilà. Glitch. Glitch peut-être l'arène un peu. Hein. Après glitch, on a tellement de... on a tellement un... un effet sur la caméra que... Bah, plus on s'approche de lui, plus on a un effet de post-processing qui déforme la caméra, c'est le concept du combat avec lui. Bon, alors, la scène est cool. Je vais voir peut-être ça. Ah, le lock de... d'objet, il est infâme des fois. Pardon. Metal 1, on va enlever un tout petit peu d'outline. Et puis pareil, rim, intensité, hop. Ouais, c'est un peu mieux. Pareil pour la tour, enfin la roue, la grande roue, c'est un peu mieux. On se rend pas bien compte, mais je pense que c'est bien mieux. Yes, glitch comme j'ai dit, de toute façon, vu la déformation pendant le combat. Ibar. Ibar, il m'a l'air bien. Ibar. Ah. Non. Ah ouais. C'est... Ah, il avait déjà un peu le même rendu. Hein. Ah, Ibar, il est cool. On va lui mettre... un rime un peu, oh, voilà, un peu rosé. Ouais, il est cool. Cool. Ouais, même s'il faut que quelques clics pour améliorer, ouais, c'est nécessaire. Il faut ces petits clics là, il faut ces petites modifs, même si c'est très très léger. Ça rend pas ouf sur lui. C'était mieux avant. Est-ce que c'était mieux avant? Je sais pas. Hein. C'est mieux comme ça. Hein. Ça s'enchaîne un peu bizarre les musiques, hein, désolé. Ils sont pas triés dans mon iTunes. Les tours en jade sont plutôt cool. En plus, on a besoin qu'elles soient pétantes parce que c'est là... va être les triggers dans une phase du boss. Je vous spoil pas. Tout ce qui est gold aussi comme ça, là, ça a été plutôt dur de faire un render en métallique. Ça, je vais pas trop y toucher. Parce que c'est... Gold Digger, c'est... ça touche pas que lui. Ça, c'est pareil, j'aurais dû créer une texture pour lui,
enfin, créer un materials pour lui et lui assigner. Parce que là, je vais modifier les Golden Bolt, je vais modifier plein de trucs. Ouais, c'est un peu mieux, c'est pas ouf ici, mais je pense que ça va être dur avec la forme de sa tête de rendre de toute façon un truc cool. Ok. Déjà 1 heure de live, waouh. Ah, ça passe trop vite. Je sais pas si j'aurai eu le temps de faire toutes les scènes. Le Long Express, il y aura sûrement des trucs à faire là par contre. Parce que je l'ai pas beaucoup modifié. Long Express. Oh, les fenêtres. Les fenêtres toutes cassées. Ah, c'est mieux. C'est mieux, hein. C'est le combat contre Moon et Night Knight, Swiss Knight. Le mec, sait plus comment il s'appelle. Les roues, on peut les mettre plus foncées quand même, les roues, non? Ah, la texture, elle est présente, hein. Je crois qu'on peut l'enlever, hein. Ça change pas grand-chose. Par contre, on va mettre les pneus en noir. Les roues, c'est noir, hein. C'est pas exactement comme ça les roues d'un train, hein. On est d'accord, mais bon, de toute façon, le bazar est en feu, on voit rien. Des fois, je suis un peu mon David Goudenov comme ça, hein, mais ah, pareil, les fenêtres ajoutées avec soin. Des gros cubes à l'intérieur. Eh, pourtant, voilà, ça marche. Système D, ça marche souvent. Si vous faites votre jeu tout seul, n'hésitez pas à faire des petites astuces comme ça qui vous sauvent du temps. Surtout que bon, ça, c'était le début du jeu. Je savais pas modéliser du tout. On le voit, hein, c'est pas très. C'est pas ouf ouf, hein, au niveau des modèles. On sent que les dernières scènes sont quand même beaucoup plus poussées au niveau de certains modèles. Avec la tête de dragon, on sent voilà que c'est pas le. Ouais, on est pas mal. Faut voir avec l'éclairage du coup. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Not bad at all. Je vous avais expliqué l'autre fois que le terrain, donc cet objet terrain. Voilà, que vous avez vu, on a fait déjà un cours dessus où c'est une plane qui va vous permettre de créer des formes, des montagnes, de creuser à l'intérieur sans avoir à passer par Blender. Vous pouvez le faire directement sur Unity. Vous pouvez rajouter une physique si vous voulez que le sol glisse, par exemple, ce genre de choses. Vous pouvez rajouter des plantes, des arbres plutôt que de les rajouter un par un à la main. Un modèle, voilà, vous pouvez rajouter des arbres, vous pouvez créer du vent pour que les herbes ondulent, voilà, il y a beaucoup d'options qui sont cool. Le problème, c'est que bah le matériau de l'arbre est pas géré de la même façon que les matériaux de vos objets. Voilà, du coup, voilà, can't use materials with shader which need tangent geometry on terrain. Use shaders in nature terrain instead. On ne peut pas. Faut passer par des trucs ultra compliqués. Et au bout d'un moment, moi, ça m'avait saoulé, je me rappelle. C'est beaucoup de boulot juste pour le terrain. Et j'avais commencé à arrêter d'utiliser le terrain. Pour toutes les scènes, en tout cas, déjà, qui n'étaient pas naturelles.
Là, par exemple, on est dans une grotte. Si je devais le refaire, je ferais le modèle 3D de la grotte pour que le sol et les murs soient avec le shader toon. Là, on est obligé de rester avec un terrain. Du coup, voilà, on le voit la différence. Hein. Il réagit pas du tout pareil que le shader toon. Il a le shader basique de Unity. C'est un peu décevant que ce soit aussi compliqué. Peut-être que dans les dernières versions d'Unity, c'est pas pareil. De toute façon, pour Oshimago, j'ai pas utilisé le terrain du tout. J'ai modélisé mes arènes. Et pareil pour Triangle. Donc, on verra peut-être pour Swiss Knife 2 dans un long moment comment modifier les shaders du terrain. Peut-être qu'effectivement, si je fais Swiss Knife 2, j'aurai besoin de garder les technologies des scripts, de pouvoir mettre des arbres, de créer du vent dans les feuilles et les herbes qu'on pose au sol, de pouvoir créer librement des petites collines et ce genre de choses, surtout dans un monde ouvert. C'est un petit peu fastidieux de faire un modèle pour chaque partie du monde ouvert. Je pense que même Zelda et tout utilisent un terrain. Donc on verra peut-être pour Swiss Knife 2 dans très longtemps comment modifier le shader du terrain. Pour l'instant, on va se baser surtout, pas surtout, complètement sur les modèles. Oui, on sauvegarde, on n'a pas envie de perdre tout ça. Alors ici, pareil, on a du outline, en veux-tu, en voilà, on va un petit peu baisser ça. Voilà, merci. Pareil, tac, tac, tac. Un peu de vert. Peut-être du vert un peu plus. Voilà, un peu plus jaune. Voilà, on est un peu mieux. Pas Specula, moi c'est Shadow. Voilà, Shadow Intensity. Et pareil, je vais le mettre comme ça. Hop. Not bad. Par contre, on a Leaves 2 qui pareil. Un peu brère au niveau des outlines. On va mettre 0,1. C'est un peu mieux. De toute façon, dès que c'est low poly, j'ai l'impression que ça réagit moins bien. Hein, le shader. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Voilà, on va laisser un petit peu de outline. Leave Dark. Là, on a une normal map aussi. Bush, comme Georges. Simur, mon pote, toi t'as besoin d'un petit coup de clic sur tes shaders. Si je veux bien, si je peux cliquer sur toi. Ok, Simur 1. Simurgh 2, Simurgh 6, why not? Ok, un petit peu rosé comme ça. Ouais. Va se concentrer sur lui. Pas mal. Ah, il a un peu plus de gueule, hein. Pareil, on va lui mettre un truc un peu marronné. Oh, il a une meilleure tête, hein. Wow. On va lui enlever un peu de shader, enfin de outline par contre. Ouais, voilà. Peut-être en rajouter un tout petit peu, voilà, histoire qu'il soit un peu contouré. Le bécasse. Ah, il est un peu mieux quand même. Trouve. Peut-être un peu de spéculaire à changer. Specular color. Non, c'est pas le spéculaire, ça va être le highlight. Ouais, c'est ça, c'est le highlight. Un peu plus rosé, vite fait. Voilà, très très vite fait. Augmenter l'intensité un peu de l'ombre. Voilà. Non, il est cool. Il est bien mieux comme ça. Même ses serres sont mieux.
Bon, il a une sale tête, hein, mais encore une fois, je vous ai dit, c'était. C'est mes tout premiers modèles. C'est pour ça que ça fait très enfantin. Puis animer un oiseau, je vous regarde faire. Hein. Franchement. Autant il y a des trucs genre le train et tout, je peux comprendre qu'on me vanne, mais autant, allez-y les frères, animer un oiseau comme ça, créer un modèle d'oiseau et puis animez-le. Même Breath of the Wild, l'oiseau qu'il y a. Bon, je parle pas des piafs, hein, mais le gros oiseau robot, ils l'ont pas fait battre des ailes. Hein. Ils lui ont mis des hélices dans les ailes et puis hop, hélicoptère, hélicoptère. Hein. Même Nintendo s'est pas aventuré à animer des oiseaux géants. Le petit Etira là, c'est quoi ça? Etira Body. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Bizarre. Ah, il est low poly aussi lui, waouh. Puis ce HUD là qui nous bouffe la vue. Encore pire en perspective. C'est un peu mieux. Je suis pas convaincu, convaincu. Voilà, c'est un peu mieux quand même, hein. Très sombre. Ouais, la boule à facettes, quoi. Ça fait pas ça, par contre, en jeu, c'est très étrange. Là, on a l'impression, ouais, voilà, que l'ombre, elle court sur les carrés et sur les polygones. Pourtant, en jeu, on n'a pas la même sensation. Déjà, regardez, si je passe en perspective. Ça fait encore un peu effet boule à facettes, mais beaucoup moins. Et en jeu, c'est encore plus smooth. C'est ça aussi qui est un petit peu frustrant, c'est qu'on peut pas vraiment avoir l'aperçu comme quand le jeu va être exporté. Bon, c'est toujours mieux que rien, hein, mais. Et voilà, cet effet boule à facettes, un peu, on l'a moins en jeu. Déjà aussi parce que la caméra elle bouge pas comme ça, on est en jeu, notre petit personnage va suivre le. Enfin, la caméra va suivre notre petit personnage. Cartoon Temple. Je la trouve lisse un peu le rendu, non? Non, il y a une sorte de voile un peu clair dessus, j'ai l'impression, bizarre. Attendez, parce que ça c'est des modes en ligne, des musiques. Ah, on va se faire un tour des boss. Se faire un tour des boss. C'est un peu mieux, mais il y a toujours ces modèles-là qui sont un peu Emission Color, ok. Bizarre, color gris comme ça, peut-être ça, hein. Blanc, laisse-les en blanc.
Bizarre. Bizarre qu'il rende pas la lumière de la même façon. Surtout ces objets-là, parce que ceux-là, ils ont la même texture, ouais. Ah non, ils ont pas la même texture. Ah, voilà. Boum, on a trouvé. Même matériaux, putain, je vous fais la leçon en vous disant n'utilisez pas le terme enfin, texture, c'est matériaux, et puis moi je dis texture comme un gueudin. Et tiraflore, on va enlever un peu de. Hop. Yes. Merci. On est bien. On est bien, la reine est mieux. La reine est plus belle. Ok, Canyon Cherokee. Ah, vous voyez le terrain par exemple là. S'il était en toon, il claquerait tellement plus là. Il a un côté très fade, je trouve, le terrain. Si j'avais su, voilà, j'aurais vraiment à la limite fait une couche inférieure, mais les montagnes, je les aurais modélisées moi-même. Si j'avais su que au fur et à mesure, j'aurais pas pu mettre le terrain en shader toon, en cel shading. Parce que ouais, c'est frustrant, là on voit vraiment la différence entre les rochers, même les rochers un peu plus foncés et le terrain il fait fade à côté, même les planches en bois elles pètent plus. Même le bois un peu gris comme ça, là il pète plus, même de loin genre. Voilà, j'aurais pris des textures comme ça pour faire le terrain. D'ailleurs là il brille un peu le... Il brille un peu le... Le caillou là, il est en quelle matière? Il est en plastique? C'est les cailloux de Disneyland. Ouais, c'est mieux. Voilà. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait. Voilà, qui brille un peu, c'est normal. Voilà. Et là, c'est mieux quand même. Ouais, ça aussi, c'est bien mieux. Les murs d'escalade comme ça, là, c'est bien mieux. Les musiques s'enchaînent un peu bizarrement. Ouais, je vais peut-être vous mettre ma playlist YouTube. Attendez. Tais-toi, Astérion. Tais-toi. YouTube. YouTube, playlist, votre chaîne. Tais-toi, s'il te plaît. Je n'étais pas encore relancé. Playlist, plusieurs playlists. Playlist créée. Swiss Knife original soundtrack. Soundtrack. On va le mettre. Allez, pouf. Au hasard. Voilà. C'est mieux. J'ai fait des edits pour vous les publier sur YouTube où il y a des vraies fins aux musiques. Ah, c'est pas, ça coupe pas comme j'avais comme j'ai fait sur iTunes pour répertorier mes musiques. Parce que des fois dans le jeu, là on parle de shader, mais au niveau du sound design et de la musique, il y a beaucoup de musique dans Swiss Knife qui loupent, qui vont tout simplement recommencer une fois qu'elles sont terminées. Du coup, forcément, quand on entend la musique en cru, ça s'arrête net quoi, il n'y a pas de fin. Comme là vous entendez depuis tout à l'heure sur iTunes, donc c'est pour ça que je change. Alors ce bois il est cracra un peu hein. Le bois là hein. On va changer ça hein. Fais voir avec la lumière. Ah oui, la lumière elle fait quand même beaucoup hein. Sûr que sans lumière. C'est sûr que sans lumière. On est mieux fou. Pardon. Ok. Oula. Bon, on va rester dans du foncé foncé. Peut-être un peu moins rouge. Hein.
Peut-être, voilà, un peu plus jaune. Alors c'est pas mal différent, je sais pas si c'est mieux ou... Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si c'est mieux ou si c'est tellement différent que j'arrive pas à voir. Ça fait plus bois quand même, hein. Par contre, c'est un peu trop brillant, je pense. Voilà. C'est un petit peu trop brillant. Du coup, rime, on va le foncer un petit peu. Voilà. Bah, là, c'est bien. Là, ça me plaît. Là, ça me plaît. Est-ce qu'à Wood, pareil? Poète, 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 poète. Poète, 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 poète. Là, on est bien. Ah, j'aime bien. Ça rend franchement mieux. Ah ouais. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Bonjour à tous ceux qui ont rejoint. Bienvenue sur le live. Ici, on sent bien en s'en travaillant. Non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, ça fait quand même moins flashy, moins cracra. On est dans un petit village en bois, quoi. C'est un peu plus chaud, plus de chaleur. Ça fait un peu moins. Le bois, il a complètement été cuit par le soleil, même si c'est un peu ce qu'on veut comme rendu. Y a quand même une brillance que j'aime pas trop, donc je suis pas très fan. Ah yes, on est mieux. Ouais, faut que je fasse comme ça. Ouais. Hop. Ouais, on est mieux. Ah, il y a le Wood 3 aussi. Tac. Yes. Ah, le Wood 3, on va pas trop toucher au niveau de la couleur. Tout petit peu. Je voulais justement cet aspect de bois différent, un peu fait à la va-vite, où ils ont pris n'importe quel bois qu'ils ont trouvé, ils ont fait leur maison avec. Bon, même si au niveau direction artistique, bah, c'est mon premier jeu, hein. Je voulais quand même qu'il y ait un aspect différent entre les bâtiments qui restent des humains, parce que dans le jeu, les humains ont disparu, l'humanité s'est éteinte. Il reste que les robots, donc la création des humains qui leur a survécu. Et je voulais, voilà, qu'il y ait une différence esthétique entre ce que les humains ont créé, que ce soit un peu plus beau et harmonieux, et ce que les robots ont créé, en mode un peu, ils n'ont pas conscience. Enfin, ils n'ont pas la même notion de la beauté, et ils n'ont pas la même notion d'utilité de la beauté. Là. Et genre, justement, en mode, ils s'en battent un peu les couilles, ça tient debout les maisons, et ben c'est bien. Pourquoi je prends l'accent du sud? Je ne sais pas, les gars, je sais pas. C'est toutes ces années vécues à Nice qui ressortent comme ça, je ne sais pas. Ouais, le modèle du train, par contre, j'hésite à l'enlever. Hein. C'est l'ancien modèle, il y a le nouveau, mais. Bon, allez, non, tant pis. Ah ouais, et ici, y avait l'ancienne mine avant. Attendez, on va faire un truc cracra. On va faire un truc un peu cracra en mode David Goudenhoff. Des fois, ça fait du bien. Hop. Hop. On va se remettre en orthographique, que je fasse ça propre. Ouais, voilà. Parce que perspective, des fois on ne se rend pas bien compte. Voilà, juste qu'on voit qu'il y a un stop au niveau
Du tring. Ah bah il y en avait un là. Du coup on va enlever ça, on va garder celui-là. Hop. Voilà. On va en mettre un deuxième et un troisième. Voilà. Ouais, c'est mieux, hein. Le jeu va être vraiment plus beau, je trouve. Je pense. J'espère. J'espère que ça va plaire. De toute façon, on va baisser le prix. 10 euros, visiblement, c'est quand même cher pour un jeu indé. Après, bon, j'y ai consacré 4 ans de ma vie, hein, donc j'ai pas envie de le brader à 1 euro. Mais finalement, c'est mieux de le vendre à 1 euro que de pas le vendre. Puis bon, au bout d'un moment, j'ai envie aussi que les gens y jouent, quoi. Ce level, je pense qu'il est plutôt carré au niveau des shaders, c'est un des derniers que j'ai fait. Ouais, même au niveau de l'éclairage, on sent qu'il y a un mur. On sent direct la différence entre les premiers niveaux que j'ai faits et les derniers, je trouve. Au niveau de l'éclairage, au niveau de l'ambiance dans la scène. Même au niveau des mobs, on sent les mobs que j'ai ajoutés au fur et à mesure sont bien mieux. Par contre, lui là, son casque, tuile. Comment il s'appelle lui? Dark Samurai. Dark Samurai. Ouais, on va, comme on a dit, un tout petit peu pasteliser les couleurs, parce qu'avec les éclairages, elles ont tendance à être plus flashy, et si elles sont déjà flashy de base, et forcément, c'est trop flashy. Ok, Dark Samurai, on va faire pareil avec le bleu. Ah non, lui, il est doré. Ouais, ça passe. Ça passe, c'est bon. Et le vert. Et le vert, il a un peu le côté gris. Puis le 4. Là, on est sur un vert un peu bleu. Ouais, c'est bien. C'est bien. Alors ça paraît rigide ça, mais les plaques elles bougent sur sa ceinture quand il est en mouvement, ça rend plutôt pas mal. C'est vrai que comme ça en T-pose il a pas beaucoup de gueule mais... Pas mal! Ouais ça rend mieux hein, le petit reflet rouge comme ça sur le casque. C'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Château Oumi, on est cool, on est bon. On est déjà à la moitié du live et on n'est pas à la moitié des scènes, hein, les amis. Ça paraît pas, mais c'est un gros jeu. Hein. Les cinématiques. Du coup, les cinématiques, non, il n'y a pas vraiment besoin. Outro tuto, ouais. Squad out of here, non. Ah ben non, les intros, de toute façon, ça reprend les modèles, donc ils ont les mêmes textures. The Delta, what's going on? Désert Sahara, allez. Les cinématiques, je vous dis, ça utilise les mêmes modèles que les scènes de boss en général, ou que les scènes tout court, donc je pense que si on fait toutes les scènes, les cinématiques devraient être automatiquement, entre guillemets, mises à jour. De facto, j'ai envie de dire. Alors ça, c'est un petit village que j'ai créé. Que j'ai créé comme le reste du jeu, j'ai envie de dire, mais que j'ai créé
pour tous ceux qui m'ont soutenu pendant le développement du jeu, tous les gens qui se sont intéressés, qui m'ont félicité, qui ont acheté le jeu pour me soutenir, tout ça, je me suis dit, il faut les récompenser. C'est grâce à eux que j'ai eu la motive jusqu'au bout de le finir. C'est parce qu'il y avait quand même un minimum de potes à moi, de connaissances qui s'intéressaient au truc, et puis qui me félicitaient, qui trouvaient que c'était vachement cool comme idée, et puis que c'était... S'il te plaît, tu me laisses parler, Alcharou, là? Merci. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus, moi, à force. Voilà. Et pour remercier les gens qui m'ont soutenu, les gens qui m'ont envoyé des messages quand je faisais mes petites mises à jour pour me dire, allez, continue, tu vas y arriver. Même qui ont acheté le jeu, qui ont joué, qui l'ont testé. Voilà, j'avais envie de leur faire un petit truc, un petit cadeau. Du coup, j'ai créé ce village, comme plein de villages dans le jeu, où on arrive et on doit parler à la race, entre guillemets, de robots de la région. J'ai créé un petit village où tous les personnages du village, tous les PNJ portent un nom. Parce que c'est les Revoltas, c'est justement un peu comme les déviants dans Detroit Becomes Human, c'est des robots qui n'ont pas envie de suivre ni le maire, donc les gentils, ni Night Knight, le méchant. Ils sont neutres, quoi. Ils sont entre les deux, ils sont pour eux, quoi. Ils refusent le système d'immatriculation, parce que tous les robots ont un numéro, ils n'ont pas de nom s'ils ont un numéro. Et eux, voilà, ils voulaient être comme les humains. Du coup, ça se portait très bien à faire un petit village où chaque pseudo de chaque personne qui m'a soutenu apparaissait. Donc on a pour chaque pièce. Attendez, je vais essayer de. Ah. Bonjour le croc. Voilà. On a pour chaque maison donc un Revolta. Donc là, celui-là, il n'a pas beaucoup de détails parce que bah, la personne à qui j'ai demandé m'a pas répondu. Mais voilà, chaque. Personne m'a dit je veux un Brocélien, je veux un Sakana, je veux un Scheleg, je veux un Revolta, je veux un Swiss Knife de telle couleur, avec tel accessoire, avec tel machin. Et du coup, je leur ai fait chacun un petit personnage. Ils ont les voix des gens en question, les petites phrases, les petits catchphrases, les petits yaha quand ils parlent, quand on leur parle, il y a des toutes petites phrases. Ils parlent pas hein, dans le sens qu'ils lisent pas leur dialogue, mais. Ils ont des petites phrases pour donner un petit peu de vie. C'est les gens qui ont joué le jeu, donc tous mes potes et mes connaissances qui ont joué le jeu, qui m'ont envoyé leur voix avec des petites phrases préfaites. Donc si vous visitez le village Revolta, voilà, et que vous vous demandez pourquoi les PNJ ont tous une voix différente avec un nom et avec un costume, alors que aucun Swiss Knife dans le jeu ne ressemble à ça. Bon, aucun Brocélien n'a une scarpe avec des lunettes sur le haut, aucun Brocélien n'a de chapeau de sorcier, voilà, etc., etc. Voilà, pareil ici, le chapeau de forme avec la cape et le sceptre, voilà. Je leur ai tous demandé qu'est-ce que vous voulez comme Swiss Knife, quelle couleur, quel accessoire. Ils m'ont dit la description qu'ils voulaient, je leur ai fait. Donc des fois il y a des accessoires qui n'étaient pas dans le jeu, je les ai modélisés exprès. Parce que voilà, je trouvais que c'était la moindre des choses pour remercier les gens. Ouf, la version 2019 de Unity, ouais, c'est un vieux jeu, on est sur un vieux jeu là. Bah, qui a commencé en 2019 justement, c'est pour ça qu'on est sur la version 2019. Développement a commencé en cette année-là. Et donc voilà, pour finir mon explication, je baisse un petit peu la musique, hein, je suis désolé. Voilà pour la fin d'explication, voilà, c'est un petit village. Remerciements pour tous les gens qui m'ont soutenu pendant ce développement. On a Deathlex, on a Vrace, on a Manu, on a Fumas qui vient des fois sur le live. Voilà, on a. Tous les personnages ont un pseudo et ce pseudo, voilà, correspond aux gens qui m'ont soutenu pendant le développement de ce jeu. C'était un petit remerciement, la moindre des choses quand, voilà, on fait un truc solo, que bah on est un petit peu aux oubliettes, forcément noyé dans la masse et que bah là il y a quelques amis qui nous soutiennent, d'autres non. Donc forcément on a envie de remercier ceux qui nous ont soutenus. Maintenant, je pense qu'au niveau des shaders, parce que c'est quand même ça le but de la vidéo,
On est plutôt bon. J'ai pas vu de truc aberrant en tout cas au niveau des shaders. Mais ouais, on est sur la vieille version d'Unity. J'ai hâte de vous montrer les nouveaux jeux que je suis en train de dev. Avec les nouvelles versions d'Unity, le URP, tout ça, parce que ouais, c'est vrai que là. Ouais. C'est vieux, hein. C'est vieux, c'est vieux. J'ai l'impression de faire du rétro developing. Ok, au niveau du bois, ça a l'air mieux, hein, depuis qu'on a changé le bois dans le village Shiroki tout à l'heure. Il faut commencer quelque part. Ouais, bah de toute façon, comme j'ai dit, j'ai commencé en 2019, donc forcément, il n'y avait pas la version 2022. Hein. Tu te doutes. Tu te doutes. Moi, j'ai téléchargé la dernière version quand j'ai commencé, et puis voilà. Hein. Puis on a développé. Et puis j'ai mis à jour une fois sur la version 2020, l'année d'après. Et ça m'avait fait mais plein de problèmes. J'avais dû recommencer plein de trucs dans le développement. J'avais perdu beaucoup de trucs à cause bah, de l'incompatibilité avec beaucoup de scripts qui avaient été désuets à cause de beaucoup de mises à jour sur la version 2020. Du coup, j'étais revenu sur la version 2019 pour sauver le plus de choses possible. Et même là, en faisant une backup, j'avais perdu beaucoup de trucs. Surtout au niveau des scripts, hein, plus qu'au niveau des modèles, des animations. Mais ouais, ça m'avait fait perdre bien 6 mois de boulot. Donc j'étais bien, j'étais content. C'est pour ça qu'après, ouais, j'ai plus trop touché les mises à jour. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va un tout petit peu baisser les outlines. Yes. Ça, personne l'a trouvé. Hein. Cette fée-là dans le jeu. Dans les dizaines de joueurs qui ont téléchargé le jeu, j'ai les données statistiques du coup avec mon compte Steam. Dans la quinzaine de gens qui ont joué au jeu, qui l'ont téléchargé, personne ne l'a trouvé. Il hein. n'y a que moi qui ai le haut fait de la fée. Alors que franchement, elle est cachée, mais. Mais elle est pas tant cachée que ça, quoi. Parce qu'on est obligé d'aller là, dans l'histoire. Donc tous ceux qui ont fait les pyramides. Bah ils sont allés là, hein. Et après il fallait juste contourner quoi. Après c'est peut-être pas intuitif, je sais pas. Ah c'est vrai, ouais, faut des trucs cachés aussi, faut des trucs de recherche au nonos. C'est important. Non s'il te plaît. Voilà, merci. Alors on a les palmiers là qui font un peu nawak. Palm tree. C'est lesquels? C'est pas ceux-là, c'est ceux-là. Palme, palme. Ouais, ça c'est le modèle. Materials, palms. Pouf, pouf. Pouf, pouf, pouf. Pouf, pouf. Pouf. Peut-être un peu plus jaune, ouais. Ça a pas l'air de changer grand-chose, là. Ça va être sur le terrain. Ça va être sur le terrain. Palme 4. Palme 4. Ils ont pas de texture. Et il n'y a pas de prénom. Ah ouais, c'est le. Ok, voilà, c'est là. Palme, ouais, bah ouais. Ah, ils réagissent pas bien à la lumière, eux, hein. Shininess 0. Ça a pas l'air de. Ça a pas l'air de trop les secouer à ce que je fais. Hein. C'est bizarre, ça change rien. Pour
pourtant ça a l'air de le changer sur le modèle d'aperçu. C'est chelou que ça les change pas sur le terrain. Peut-être que j'édite la loterie. Que je leur réactualise. Que je leur réactualise. Même ça a pas l'air de. Ça a pas l'air de le faire bouger les masses. Bon, admettons. Ah, si, peut-être un petit peu. Si, ça les a un petit peu édités maintenant que je l'ai actualisé. J'ai rien dit. Plus celui de droite que de gauche, hein. Celui de gauche, il s'en bat les couilles. Ah, il n'y a que celui-là qui a bougé. Bon, admettons. Admettons. Tant pis. Bizarre. Bizarre, bizarre. Ce sont, ouais, comme on vient d'en parler à la version 2019 de Unity, voilà quoi. La 4.3 F1, c'était une version plutôt stable, c'est pour ça aussi que j'avais pris celle-là. Mais visiblement, stable quand elle veut, hein. Ouais, hein. Pourtant, il n'y a pas d'autres palm trees dans le terrain, je comprends pas. Voilà, fallait juste que j'en rajoute un. Et ça les a actualisés, super. Ah, yes. Fallait juste que j'en remette un. Ok, c'est mieux. Le LOD marche bien. Ici, il y a un petit peu trop de. La normal map, elle est pas comme j'aimerais. Alors, je préfère qu'il y ait de la smoothness là, pour le coup. Shadow, tac. Marron foncé, foncé, ça rend un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Sont dès qu'on étire un peu les textures comme ça là, c'est pas ouf ouf. Hein. Pardon. Ça, de toute façon, c'était une des premières scènes. Hein. Première scène, donc ouais, pareil, hein, je l'ai fait 2020, tout début du développement. Ouais. On est mieux, hein. On est mieux, on est mieux. Ouais, c'est mieux. Plus d'intensité. C'est mieux. It's better. Comment ça, impossible d'activer les données cellulaires? Mais de quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu me racontes, iPhone? Oh ouais, je vais m'acheter un Samsung, je vous jure. Franchement, n'achetez pas iPhone. C'est horrible.
Ouais, est-ce que tu veux bien y aller maintenant, Jean-Jean? Parce que j'ai pas de temps à perdre, juste pour avoir mon retour. Merci bien. C'est dingue ça. Ah, on est sur Unity 2019 avec un iPhone 7 pour le retour. Bah, waouh! N'hésitez pas à vous abonner pour me donner un peu d'argent. Ok, la petite plage carrée comme ça, on la laisse ou... Ouais, on la laisse. Hein. On a pas trop le choix, je crois. Merci pour le petit follow. Bienvenue dans le crew, Félix. Félix VE11. J'espère qu'on prononce comme ça. Raise, yep. Hop, ouais, déjà c'est un peu mieux. Hop. Oui, nice. Je me suis pas trompé, je suis content. J'aime pas bafouiller sur vos noms. Des fois en plus, il y a des noms, genre je les lis tellement mal. C'est écrit avec des chiffres, des fois vous faites des petits jeux de mots et des fois je les capte pas. C'était quoi déjà? Je me suis trompé. Ah, j'ai pas l'historique, assez long. Il y en avait un, genre il avait tout un jeu de mots avec des lettres et tout dans son pseudo, genre je l'ai lu en mode. Tout le monde a rigolé. J'ai changé aujourd'hui de pseudo car mon ancien était un peu dur. Ah, je suis pas le seul alors, ça va. Je suis pas le seul à me tromper. C'était quoi son indiscrétion, ton ancien? J'essaye. Juste écris-le moi, j'essaye de le lire, on va rigoler. On va rigoler si j'arrive à te le lire sans bafouiller. Ok, on est pas mal. On va passer à la scène suivante parce qu'on est déjà à 2 heures de live. Tac tac, on était où? Désert Sahara, Moon Pyramid. Eleven Xart. C'est ça, non? Eleven Xart. Ou Eleven Nineart. Eleven Xart, ok. Ouais, parce qu'il y en a aussi, ils mettent ça, ils mettent X, enfin IX, et genre ça se prononce 9 en mode chiffre romain, quoi. Du coup, tu sais plus s'il faut les appeler X ou 9. celle-là, c'est quoi ce sol là, s'il vous plaît? Quel est ce sol? Voilà, moi je veux un sol qui réagit avec l'ombre. Merci bien. Ouais, c'est mieux. Cette scène, on va pas la retoucher, elle est ultra imbriquée, ça va nous prendre des heures. On va plutôt. Ah, il n'y a pas la. Temple Sarah, du coup, ça. Yes. Voilà, je préfère utiliser l'autre pyramide pour changer les textures. Voilà, elle est un peu plus spacieuse, elle est un peu mieux faite. Eleven Xart, ça va aussi, hein, je trouve. Ça passe, hein. Alors non, moi je veux pas ton effet de fumée, je veux juste... Yes. Ouais, c'est l'inverse. Ah, là, rien à voir. Il était tout lisse, chelou, là. Il est mieux comme ça. Lui pareil, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Night Night Metal. Non, mais no way. Night Night, il a cette texture-là? No way. Il a cette texture là, j'en reviens pas. Pourquoi 9-2? C'est pas du tout ça sa texture, qu'est-ce qu'il me raconte?
Default matériel. Et on est où là? Night Metal. Ça passe mieux sur lui. Hein. Dans la précipitation, la plupart des gens se trompent ou bégayent. Ouais, après, ouais, des fois. Tu veux vite le dire, vite le lire et ça bégaye un peu. Ouais. Mais on fait de notre mieux, hein. Vous en faites pas, on fait pas ça sciemment pour vous pourrir vos pseudos. Hein. On essaie vraiment de bien le lire, de bien faire. Hein. Ça marche pas, mais. Ça pareil. Yes, c'est mieux. Carrément mieux. Nickel. Ouais, il y a un côté quand même plus cartoony au fur et à mesure, on s'en rend compte. Hein. C'est quand même bien mieux. Toon Swift, ça c'est pareil. Ah ouais, je me suis écarté. Ouais, c'est mieux. Ok, on est mieux. Ça améliore, ça va être une vraie mise à jour graphique. Pour ceux qui connaissent le jeu, à quoi il ressemblait avant, il y a quand même. Bah, c'est le même style. Parce que c'est toujours en cel shading, mais le cel shading, il est quand même mieux. Franchement, il y avait besoin qu'on prenne ces 6 heures de live pour modifier ça, quoi. Égouts, les égouts, il y a peut-être des trucs à faire. Les égouts, il y a beaucoup d'objets. Beaucoup de trucs. Ça m'a l'air not bad. Les tuyaux, ça a l'air d'aller. Je vais me mettre en perspective, voir vite fait. Non, les tuyaux, en vrai, ça a l'air d'aller. Ouais, les ennemis, c'est mieux hein, ce que je viens de faire là. C'est mieux. Ouais. Ok. Peut-être un peu cette texture de rouille. Rust. Ouais, c'est un peu mieux aussi. Hein. Plus cartoony hein, quand même. Ça pareil, hein, ici il y a des events à faire les frères, personne n'y allait hein, voir le Hadeslex, hein, qui est un pote Hadeslex, un pote qui a testé le jeu pour moi. Du coup, comme il a été testeur, on lui a offert un vrai personnage dans l'aventure, comme Captain Donger, qui est le pseudo du premier pote qui a testé le jeu, qui a passé des heures et des heures à m'aider à tester, encore big up à lui franchement. Puis il y a Chaos aussi. Chaos qui a passé pas mal de temps aussi sur le jeu, un peu comme Hadeslex. Et qui a un petit personnage aussi à lui dans le jeu du coup. Petit personnage important. Ça on a fait chier du sang plus d'un, hein, ces petites batteries là qui tombent. Ça c'est quoi? Base Color. Ouais, c'est mieux, va falloir par contre faire un tour à la fabrique pour voir ce que ça a donné. On va y aller tout de suite, de toute façon je crois que c'était le prochain. Non, c'était pas le prochain. Si, c'était le prochain, fabrique. Est-ce que c'est fabrique ou la fabrique, parce que je l'ai modifié. Je l'ai pas refaite la scène, mais je l'ai modifié. Ça doit être ça, vu le temps que ça met à charger. Donc on est où? On est là. Ouais, ça va, ça a pas dénaturé la scène. Non, ça va. Ça a pas tout niqué, là, je suis content. Ouais.
C'est même mieux. Alors, beaucoup de scènes sont sombres, c'est parce que là, il y a un cycle jour-nuit et que par défaut, le script est souvent calé sur la nuit. Mais quand vous avancez de scène en scène, ça garde entre les scènes l'heure, donc vous ne commencez pas tout le temps les scènes dans la nuit, hein. Rassurez-vous, oui. Il n'y a pas des gizmos, ouais, si, si. Ok, le petite cascade. Si, un petit coffre. Il y en a quelques-uns qui l'ont trouvé, celui-là. Autant il y a plein de trucs que personne n'a trouvé. Autant celui-là, ça va, vous l'avez trouvé. Beaucoup se sont aventurés dans la grande piscine en haut, hein, dans la fabrique. Je sais que c'est un truc que je pensais tellement secondaire et en fait tout le monde y passe. Tout le monde va là-bas et est intrigué par ce gros bac d'eau là. Oh là, la fontaine, elle a une gueule. Oh. Ah voilà, ça fait un peu moins pitié. Hein. C'est mieux. Waouh. J'aurais dû faire un. Y a pas. Dans le modèle, il n'y a pas plusieurs parties. Que je puisse agrandir le bac à la limite, mais pas le. J'ai arrêté de parler dans ma bouche. Enfin, dans ma main. Je vais arrêter de parler avec la bouche. Je vais vous parler avec le cul maintenant. Non, il n'y a pas un fontaine, c'est une seule et même mèche. Ouais. Ouais. J'aurais dû les splitter en deux pour faire un. Pour agrandir le bac. Le bac, s'il est un peu déformé, c'est moins grave que la colonne au milieu. Tant pis, elle sera un peu moins large. Là, elle fait moins mal aux yeux quand même. Surtout quand on voit la vraie fontaine là. Ok. Pourquoi ce caillou est tout noir? Qu'est-ce que tu as, mon petit? Pourquoi il est tout noir? Mais pareil. Quel est, frère? Caillou rebelle. Oui, c'est Donger justement, Captain Donger, pseudo d'un pote qui m'a beaucoup aidé pour le jeu, qui est donc un des persos central, centraux du jeu. C'est lui qui vous trimballe à droite à gauche quand vous voulez changer de zone. Captain Donger, toujours bourré. Ok, ça m'a pas détruit. Les couloirs de la fabrique, ce que j'ai fait avant, c'est bien. Forêt Brocélia, on l'a vu l'autre fois, on va voir vite fait s'il y a des trucs à changer, mais bon, l'autre fois c'était la scène la semaine dernière que j'ai utilisée pour vous faire le cours sur les shaders, donc je pense que ça va. Petite lampée de Pepsi. Hein. Lampée de Pepsi, ça fait du bien. J'ai pas de partenariat. Peut-être bientôt sponsor par Pepsi, attention. Je préfère être sponsor par Volvic, mais je suis pas sûr qu'il fasse des sponsors, hein, Volvic. Ouais, c'est un peu brillant l'arbre, mais ça passe. J'aime bien l'effet que ça fait. Il est un petit peu brillant, quoi. Ouais, peut-être comme ça c'est un peu mieux. Toujours brillant mais un petit peu moins. Les ombres sont un peu plus marquées, pourquoi pas. Voilà, comme ça. Pourquoi pas. Je rappelle, hein, les musiques que vous entendez, c'est les musiques du jeu justement que je suis en train de modifier. Toutes composées par moi-même, bien entendu. Comme
80% je dirais du jeu, hein, par quelques assets gratuits ici et là, quelques scripts que j'ai utilisés pour me faciliter la vie. Tout est fait par mes swings. Oh, il est un peu cracra, lui. Voilà, genre ça, par exemple, les tonneaux. Voilà, j'en ai déjà créé des tonneaux. Du coup, quand j'avais besoin de tonneaux décoratifs ou un peu différents, je me suis pas foulé. Hein. J'ai pris des tonneaux existants en free shop, enfin free asset shop, puis voilà. Vous doutez, quand on est tout seul pour développer un jeu aussi gros, en plus, franchement, je me suis lancé dans un projet de dingue. Parce qu'il y a, ouais, y a une bonne centaine de scènes hein, différentes, en comptant les, non, s'il te plaît, en comptant les cinématiques. Ouais, voilà, il y en a beaucoup des scènes. Hein. Tout ça, c'est des scènes. Donc ouais, vous vous doutez que pour un tonneau des fois, ou un poteau, ou un lampadaire, je me suis dit, ah vas-y. Il est très beau ce petit tonneau dans le free asset shop. On va le prendre. Je pense que beaucoup de développeurs me comprennent. Voilà, ou les fleurs, j'étais incapable de faire des trucs corrects. Les fleurs, je les ai prises. Free asset shop. Ça, c'était une scène beaucoup plus ambitieuse à la base. Où il y aurait eu du. Plein de petits trucs journaliers à faire, du gardening, pour choper des ressources en plus pour farmer. La fatigue et la flemme ont gagné. Son chapeau. Tête arbre. Le petit chapeau. C'est mieux. Là, on a un petit problème de double-sided, c'est ça? C'est sa corne qui passe pas ou... Bizarre. Bizarre, bizarre. Les petits ponts, les petits ponts, les petits pontons. Ça va, les petits barils, ils sont cool. Voilà, ça par exemple, c'est des barils que j'ai fait moi, qui sont destructibles. On peut les péter en tapant dedans. Alors que les gros barils de tout à l'heure, on peut pas. Ah, je voulais séparer visuellement et qu'on voit la différence entre les barils qu'on peut péter et les barils qu'on peut pas. Je me suis dit, ah, je pourrais jamais faire un baril plus joli que ce que j'ai fait. Finalement, je pense que si. Hein, mais... voilà, et on a pris des petits free assets ici et là. Bon, tous les éléments importants du jeu, c'est pas des free assets. Pout, 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 pout. Au niveau des égouts, ça. Oula. Oula, on est loin. C'est pareil, c'est plutôt cool au niveau du rendu. C'est pas un cel shading pourtant. Mais j'en ai besoin pour la transparence, sinon le tour des feuilles est pas transparent, ça va faire caca, ça va faire des grosses barres noires. Parce que gérer la transparence avec un shader cel shading, bonjour. Bonjour les gars.
Voilà, c'est le shading, par exemple, le shader, c'est pas free asset. Voilà, si, c'est l'équivalent du free asset, mais j'ai bossé avec le mec qui a fait le shader. Pour le URP, justement, pour les nouvelles versions d'Unity. Glitch Arena. C'est la deuxième, celle-là, hein. Du coup. C'est ça. Où est-ce qu'on est? S'il vous plaît. Voilà. Ok. Ouais, y a pas grand-chose dans cette scène, hein. C'est juste une arène. Ouais, vraiment, ma déception, c'est de ne pas avoir pris le temps et d'avoir fait en sorte que le shader du terrain soit compatible. Avec pas le Universal Render Pipeline, justement, avec le truc Unity de base, quoi. Standard Asset. Content Room. Content Room, on l'avait vu la dernière fois. Hein. Donc là, pareil, hein, pour le sol et tout, j'aurais vraiment dû faire un modèle de sol, de mur. C'est un regret vraiment. Tout ce qui est terrain, ça rendrait vraiment mieux si c'était en toon aussi, en cel shading. Que là, on voit vraiment qu'il y a une différence entre les objets, les rochers, et puis le terrain, les murs, tout ça. C'est dommage. C'est pas non plus horrible, mais bon. Forcément, là, de loin, comme ça boucle. Voilà, direct on met les lumières, c'est plus pareil. Non. En trou, on l'a fait l'autre fois. J'ai retouché la fée et tout, je me rappelle. La Rotten Crypt, on l'a vu aussi l'autre fois. Ouais, on avait accentué justement l'éclairage aussi avec le côté sombre. La fabrique training room, c'est quoi ça? C'était un truc du mode en ligne. C'était un lobby. C'était un lobby pour que les gens attendent. Il y avait des petits trucs à faire. Pareil, hein, j'ai avorté. Tous les modes en ligne du jeu qui fonctionnaient, hein. Mais ça demandait tellement de temps en plus de finir le mode histoire, tout ça, que on a abandonné, hein. J'ai tout simplement tout enlevé parce que ouais, c'était trop de boulot, trop de boulot. J'étais solo. S'il y avait quelqu'un qui avait pu. Si quelqu'un avait pu bosser là-dessus pendant que moi je faisais le reste, j'aurais pas supprimé, mais vu que je suis solo et que bah, mes potes ils ont déjà été super sympas de tester le jeu à chaque mise à jour que je faisais, peut-être des fois même tous les jours, je faisais des mises à jour tous les jours, les potes ils étaient là le lendemain, sur le lendemain, toute la semaine ils étaient là. Spoiler de guerre c'est normal, hein, c'est la grande mère. C'est fait exprès. Peut-être que SK Building, on va le modifier. C'était clairement un mélange d'inspiration de Wind Waker, quand on contrôle le bateau comme ça sur la grande mer, et puis aussi des Final Fantasy à l'ancienne, quand on chopait les premiers vaisseaux volants et tout dans Final Fantasy, les premiers bateaux, et qu'on pouvait commencer à voyager sur la minimap là. C'était un truc petit qui m'avait bluffé. Et du coup, je voulais un truc un peu mieux que ça, mais quand même qu'on garde cette
cette ambiance un peu de voyage dans la minimap avec les avec chaque ville, chaque endroit du jeu qui sont représentés en un peu plus petit, un peu en mode comme ça quoi, en mode petite maquette de jouet. D'ailleurs, très bizarre que très bizarre qu'on n'ait pas le bon truc. Un G, non, c'est un G. Ah. Oh. Excusez-moi. Voilà, SK1G, SK1G, SKAJ, SKPL. Voilà. Pourquoi elle n'a pas les textures, elle n'a pas les matériaux? Lattice. Ça y est, il n'y a plus de musique. On la voit plus quoi. C'était celle-là la première que j'ai pris. Voilà, ouais, ça le fait un peu. Tant pis, c'est un mini modèle. Oui. Oui, pour suivre la lecture. Merci YouTube. Merci beaucoup YouTube. Ok, écoutez, ça ira. On n'est pas là non plus pour regarder la tour comment elle est belle quand on vient là pour visiter la map. Hein. On a envie de la reconnaître. On sait bien de mettre les bonnes couleurs, mais c'est pas un jeu réaliste. Hein. On n'est pas dans les 3 Becomes Human. Ça n'a jamais été le but. Meyer Tower. Ok, alors ça c'est l'ancienne tour du maire, on va pas la modifier. Meyer Tower New. Ça nous intéresse. On se bouffe le HUD là, il n'y a pas un moyen de l'enlever. A pas un moyen de le. Canvas. Ah, on le voit encore. Canvas. C'est peut-être là plutôt. Non. Ouais, tant pis. Je sais plus comment on désactive le HUD comme ça là. Ok. Donc là on a les petites îles flottantes. Tout ce qui nous intéresse, c'est les shaders hein, aujourd'hui. On va pas aller chercher plus loin. C'est pareil, je vous avais expliqué l'autre fois. Ah bah non, c'est toujours la transparence avec MKToon. Autant pour moi. Le petit add-on de Michael. De Michael, pardon. Il est allemand, je pense pas que. Il aime que je dise Michael. Et je vous invite à l'acheter son petit add-on d'ailleurs. Petite pub pour lui. MKToon, franchement, un des meilleurs cel shading sur Unity, même encore aujourd'hui. Et il est pas très cher et il prend en charge énormément de choses. Je sais pas s'il a été mis à jour pour les dernières versions d'Unity. Je travaille plus avec lui là-dessus. Mais honnêtement.
C'est du solide. Vous avez vu même la version gratuite qui est plus disponible. Elle est cool quoi. On a vraiment beaucoup de trucs pris en charge. Tout le métal. White metal. Ah ouais, la lumière, elle crame. Elle crame les modèles. Attendez, on va. C'est la lumière là, par contre, on va devoir toucher. Ah ouais, range 3000. Ah, la scène est énorme. On dirait pas, mais elle est énorme. Intensity, on va mettre peut-être 15, hein. Indirect lighting et on va mettre 12 même. Ouais, c'est mieux, ça crame moins les yeux. Après, de toute façon, elle a une animation où elle va changer de couleur. No shadow. Soft shadow. No shadow. Ouais, peut-être no shadow, c'est mieux. De toute façon, elle va changer de couleur, ouais, donc. Je pense qu'elle va garder l'intensité. Bon, elle va lancer son animation, ça sert pas à grand chose. Mais c'est mieux déjà, ça crame moins les yeux. Pareil pour le. Pareil. C'est l'écran d'accueil du coup, hein. La scène où. La scène de début, le menu principal. Et ouais, avant il y avait le mode en ligne, sur chaque table il y avait des hologrammes qui apparaissaient, on pouvait choisir son mode. J'ai abandonné tout ça comme je vous ai dit juste avant. Beaucoup trop de boulot. C'était cool, ça m'a plu de créer le mode en ligne, c'est pour ça d'ailleurs que Oshimago c'est un jeu purement en ligne. Je me suis dit, je vais pas faire de scénar, je vais pas faire tout ça. Ça va être purement un jeu en ligne. Point barre. Ouais. Ça, on l'avait vu l'autre fois aussi. Je vous l'avais montré pour vous dire que. En rigolant, que Nintendo m'avait piqué l'idée de la mécanique, la nouvelle mécanique de Tears of the Kingdom dans l'obscurité. Qu'il y a beaucoup de mécaniques comme ça dans Swiss Knife où il faut utiliser des lumières pour avancer, sinon on voit que dalle. Et c'est une mécanique quand même qui est assez centrale dans Tears of the Kingdom. Ça m'avait fait un peu rire. Je pense pas qu'il m'ait volé, hein. Je pense que Nintendo connaît pas Swiss Knife maintenant. Ils ont peut-être des gens dont le métier c'est d'aller voir les petits jeux indépendants qui font pas de vente et pouvoir sans scrupule leur voler les idées, hein. On va pas se mentir. On vit pas dans un monde de gens gentils et fair play, hein. Donc pourquoi pas, hein, ça se trouve au contraire. Hein, ça se trouve, ils ont vu cette mécanique, ils se sont dit mais c'est trop bête qu'on l'ait pas mis dans les Zelda. Allez, là, ce petit développeur français, il a eu une bonne idée là de faire des trucs dans les grottes. Je vous dis, il y a quand même eu des ventes, il y a eu une quinzaine, un peu plus de 15 ventes. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens que je connais pas qui l'ont acheté. Puis vu le nombre de personnes qui m'ont demandé la clé, c'est quand même. Il y a quoi? Il y a 100 000 personnes, je crois, qui sont passées sur la page du magasin. 100 000 personnes. Donc même sur la page du magasin, il y a des indices comme quoi il y a cette mécanique. Donc bon. Mais ouais, 15, enfin 10 euros, c'est un peu trop, je pense, pour un jeu comme ça, d'un pur inconnu. S'il y avait eu un petit phénomène de pub, peut-être que si j'avais fait ma chaîne Twitch, justement, déjà à l'époque, et qu'au fur et à mesure, peut-être que déjà à l'époque, il y avait moins de gens qui faisaient du développement sur Twitch, peut-être que ça m'aurait fait plus de pubs. Ah, mais non, on pouvait pas être partout, hein. Je passais mes journées et mes nuits là-dessus, je faisais des nuits blanches sur Swiss Knife. Petite référence à Hurlevent.
Eh oui, j'ai joué à WoW moi aussi. Comme vous tous. Il y a cette partie de la map, on l'a condamnée pour rendre le gameplay plus souple. Enfin, plus souple. Plus lisible, je dirais. Parce que on pouvait passer par là, il y avait un petit labyrinthe, etc. Et les gens s'en mêlaient les pinceaux. Comprenaient pas bien. Du coup, on a tout condamné. On peut encore y accéder, mais plus dans le sens de la route du niveau. C'est un petit endroit secret où on peut accéder, mais il y a plus côté labyrinthique. C'est le premier niveau, le Mont Shelegg. Donc, ouais, les gens commencent le jeu, ils sont pas encore habitués aux mécaniques. Ils arrivent là et ils ont plusieurs chemins pour finir le niveau. Et c'était un petit peu brouillon. Les gens étaient, les premiers testeurs étaient un peu du père. Je me suis dit, ah, si tous mes testeurs à chaque fois ils butent là-dessus, ils savent plus où passer dans la grotte, c'est que les gens ils vont pas comprendre. Donc j'ai modifié. Ça m'a l'air bon au niveau des shaders. Hein. Depuis tout à l'heure je regarde, mais je pense qu'on a commencé à faire le tour des materials qu'on a. Hein. Sinon, j'en utilise pas 150. Hein. Le nouveau modèle de train, il a quand même plus de gueule que l'ancien. Hein. Franchement. Ok, chez Legmount, on est pas mal. Glaglarode. Peut-être que là, il y a des nouveaux modèles qui ont été introduits. C'est pas une vieille map. Voilà, là, pareil. Si j'avais pu faire un vrai cel shading au niveau des murs de glace, ça aurait été vraiment cool, quoi. Wow. Voilà, normal map, elle aime pas les angles de vue, hein. Attendez, après, il n'y a pas la lumière. Je dis ça, mais... Mais oui, excusez-moi, je suis enroué. J'ai chopé une grippe à la TwitchCon là, ce week-end. Des gens de l'autre bout du monde qui sont venus avec des variants inconnus pour mon corps. Et ça fait très bizarre quand il fait 35 degrés d'éternuer et d'avoir le nez qui coule. Je vous avoue, c'est une première pour moi. Mais là, ça passe. Non, j'aime pas. Hein. Par contre, on va juste. Hop, voilà. On va peut-être un peu plus léger là. Hop, voilà. Cool. Ouais, j'aime mieux. Donc pareil, hein, là c'est la nuit, mais vous pouvez arriver là si vous êtes à 16h de l'après-midi. Enfin, 16h de l'après-midi, ça veut dire 16h du soir, mais. S'il est 4h de l'après-midi quand vous arrivez dans la Seine, il va être 4h de l'après-midi dans la Seine. Et du coup, vous aurez le temps en journée. Hein. Donc, c'est juste que de base, comme je vous dis, le script, il est de nuit. Quand vous commencez le jeu, c'est la nuit. Vous sortez de l'usine à robots la nuit. Et après, le temps, il défile et c'est vous qui aurez chacun des lumières uniques pour chaque déplacement. Parce que forcément, vous n'allez pas prendre le même temps que les autres. Et donc, bah, au fur et à mesure de votre aventure, voilà, les éclairages sont pas exactement pareils d'une aventure à l'autre. Certains vont arriver là, ça sera l'après-midi. Certains vont faire tout le niveau pendant la nuit. Du coup, ça sera pas le même ressenti. Vous aurez besoin de lumière, par exemple, dans le labyrinthe pour bouger si c'est la nuit. Alors que le jour, bah, vous aurez pas de problème. J'ai pas fait énormément de modifications à ce niveau-là. Je voulais le pousser un peu plus. Je voulais faire vraiment un délire de météo. Bah, comme dans Breath of the Wild, justement, je m'étais interdit d'y jouer avant d'avoir fini le développement de Swiss Knife pour pas justement pomper les idées.
Mais je voulais un délire où justement votre robot, il était comme il est en métal, il pouvait attirer les éclairs, bah, sans le savoir, comme dans Breath of the Wild avec les armes en métal. En même temps, bon, ça semble logique. Finalement, c'était un petit peu dur à scripter, je suis pas allé plus loin, et puis comme je vous dis, au bout d'un moment, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que t'es sur un truc. J'ai pas commencé tout de suite le développement, et vous vous doutez que j'ai dû commencer à dessiner les robots, à imaginer l'histoire, les mécaniques. Ça m'a pris presque un an déjà, 6 mois, un an, à tout créer, à télécharger Unity, à commencer les prototypes de modèles 3D, d'animation. Et après, petit à petit, j'ai commencé à faire les premières scènes, à faire les premiers objectifs, les premiers scripts. J'ai eu cet accident de mise à jour de Unity où j'ai presque tout perdu, j'ai dû rebackup, j'ai dû recommencer tout. C'est là où justement j'ai décidé de le faire avec Invector et de pas recommencer mon script de caractère contrôleur parce que j'avais fait tout un truc ultra poussé. Pendant 6 mois, j'avais bossé là-dessus sur mon moteur, mon caractère contrôleur, mon moteur de jeu, quoi, mon moteur du personnage, la physique, tout ça, les contrôles, qui étaient compatibles à la manette. Et du coup, ouais, quand j'ai tout perdu, j'ai dû tout recommencer. Je me suis dit, bah, reprendre un truc sur le Asset Store. J'ai payé tous les add-ons de Invector. Pareil, j'ai beaucoup participé à la communauté pour rajouter des petits add-ons, des petites options. C'est pas les mêmes rochers, ça. Mais d'accord. Ah, ok. C'est un shader. C'est un shader, ça, pareil, c'est cool. Je me coupe tout seul hein, en parlant d'Invector, mais. C'est un shader, on peut le contrôler pour ajouter ou enlever de la neige. Ça, c'est vachement cool. Parce que vous voyez là, il y a de la neige, je peux presque le recouvrir de neige ou l'enlever. Et ça, c'est vachement cool quand vous faites un effet de météo où il commence à neiger et que petit à petit, il y a les modèles qui se recouvrent comme ça de neige et qui vont petit à petit fondre une fois que la neige s'arrête. Vachement cool. On était où? On était là. Hein. Vachement cool ce petit shader. C'est un petit pack gratuit qu'il y a. Avec plein de petits shaders et ça vous apprend du coup quand vous regardez après les scripts, ça vous apprend à justement créer des shaders dynamiques, c'est vachement cool. On fera sûrement un cours sur les shaders dynamiques, comment faire ça justement, comment animer le shader en plein jeu, en plein gameplay. Là, je voulais vraiment modifier Swiss Knife et qu'on en finisse. Mais de toute façon, avec les shaders d'Oshimago qui sont ultra dynamiques, ultra complexes, on reviendra sur les shaders avec des cours un peu plus pointus. L'autre fois, j'ai fait un cours sur les shaders, c'était très basique, hein. C'est vraiment, je m'adresse à des gens qui n'y connaissent rien, qui veulent se lancer, encore une fois. J'ai pas envie de vous inonder avec des scripts et des machins en mode alors pour le shader, il faut faire les scripts, surtout que maintenant avec URP. Il y a un système comme Unreal Engine où on peut avec des nodes créer le shader et il n'y a plus besoin de tout scripter à la main, ce qui était relou à l'époque. Donc il y a moyen que je vous remontre avec des choses plus simples comment scripter, comment créer les shaders du coup parce qu'il n'y a plus beaucoup de scripts. Alors là, nous c'est le Shininess qui nous intéresse. Ah. Pas mal. Alors, c'est Moon aussi que je voulais voir. Ça tombe bien, on est dessus. Moon test. Ah, on est sur du standard. MK. Toon free. Voilà, merci. Pas d'outline. Par contre, voilà, ce qu'elle est mieux. Ma photo, elle est mille fois mieux. Elle est mille fois mieux. On accentue l'effet shading. Cell shading, très bien. Ouais, elle est mille fois mieux, moi. Fait plus peur comme ça. Fais voir sa skirt.
Pareil, qu'est-ce que c'est mieux? Je sais plus sur quoi je me suis basé pour faire ce modèle de jupe. Sûrement un truc Pokémon, hein. Me connaissant. On avait voulu refaire aussi SK City avec des plans de caméra fixe comme dans les Final Fantasy. Finalement, je me suis dit, pareil, dans Swiss Knife 2, ça sera comme ça, mais. New SK City, New SK City. C'est une des scènes que j'ai plus refait, SK City. La première, j'étais vraiment pas satisfait. C'était géant, ça ramait. La deuxième, elle est mieux. Ouais, voilà, c'est celle-là, c'est la définitive. Et la troisième que j'ai commencé à faire. C'était une très bonne idée, mais c'était trop de fatigue. Trop de flemme, trop de fatigue. Plus d'endurance pour ce jeu, vraiment. J'ai envie de commencer un autre jeu et qu'on n'en parle plus. Oula, alors attends. Ah oui, ok, c'est le LOD. Je me disais. Quand même, le temple des reliques, c'est quand même important. Parce que vous avez les 10 reliques à récupérer dans le jeu, hein, dans chaque niveau, qui vont être entreposées là dans chaque hôtel. Et après, il va falloir redonner le pouvoir à chacune des reliques. Alors, par contre, on a ce petit truc d'eau là. On va le modifier ensemble. Voilà. On n'a pas envie que l'eau déborde. Grosse scène, celle-là m'a pris beaucoup de temps en optimisation. En LOD, tout ça, parce que vraiment elle est géante. Il y a beaucoup de choses, forcément, c'était un peu la capitale du jeu, donc il fallait rassembler un peu toutes les options du jeu au même endroit. Et puis il y a forcément des passages pour progresser dans l'aventure, etc. Concrete mat, on va le changer. Du coup, ouais, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est mieux avec la. C'est mieux avec l'éclairage. Faut pas que j'enlève ça, l'éclairage. Ouais. Alors, modèle du bus. On avait dit que c'était pas très clair. Voilà, parce qu'on avait essayé de rentrer dans le bus, on avait galéré, que là, voilà, on s'approche de la porte, pouf, on est TP. Ah, il y avait aussi l'autre modèle de bus, du coup. Invisible Portal, Escabus, Batsu. C'est encore plus important que celui-là, il soit bien fait. Ah ouais, il est caca. Caca! C'est pour ça qu'on n'a pas pu rentrer l'autre fois, qu'on a galère. Voilà, c'est mieux. Mille fois mieux. Ça, on le redésactive parce qu'il faut pas qu'il soit activé de base. Sinon, le joueur, il est TP quand il veut au dernier niveau. Enfin, l'avant-dernier, du coup. C'est pas ce qu'on veut. Les petits trains, ils sont pas mal. Ouais, ça m'a l'air not bad at all. C'est mieux déjà. On va enlever les gizmos. Hop. Ouais, c'est mieux.
C'est mieux, c'est mieux. Il y a un petit peu de flicker. Tout petit peu de décalage au niveau de la hauteur du trottoir, mais je préfère ça que d'avoir des trottoirs qui clignotent. On est d'accord. On va pas tarder à arrêter. Si on arrive à la fin. Open a scene. Night Night Arena. Donc ça c'est là-haut, en haut de la tour du maire. C'est ça, dans la petite boule de... Ok. Golden Esca. Ouais. Bizarre. Gold Digger, on va lui mettre Gold Digger. Ah, horrible. Horrible. Ah, c'est pas du tout pour les cubes, ça. Golden SK. Ouais, on va prendre celui-là. C'est un peu moins flashy, mais je pense que ça répond un peu mieux à la lumière que celui d'avant, là. Voir Golden Snap. Ah, c'est mieux, ça. Je préfère. Ouais, je préfère. Le lattice tout autour, là, le grillage, il est cool. La petite arène, donc ça, c'est quand on se bat contre Moon et Night Knight en même temps. L'un après l'autre. Night Knight qui est le grand méchant du jeu. Moon qui est sa bras droit, son bras droit. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça va, ça le fait. Peut-être un petit peu les outlines là sur celui-là. Ah ou peut-être le mettre en 0-1. Ouais, carrément. Carrément. House Damage, pareil, on va le mettre en 0. 0, 0, 1, ouais, on le garde comme ça. Je vous dis, hein, si je peux enlever d'outline, je les enlève. Les petits barils explosifs, ils sont nickel chrome. Peut-être juste modifier le rim. Ça change pas grand-chose, hein. Non, on est bien. On est bien. N'hésitez pas, hein, si je vais trop vite, si j'ai des trucs qui vous intriguent, vous voulez savoir, n'hésitez pas à hein, poser moi des questions. Je suis là pour ça. Arène Last Battle, on a commencé le live là-dessus et je vous avais dit de toute façon, on avait terminé le dernier live là-dessus. Et je vous avais dit, si vraiment je dois faire un truc, c'est refaire toute l'arène parce que c'est pas digne de l'arène d'un dernier boss, franchement. Alors c'est pas le dernier boss, c'est Night Knight une fois qu'il a absorbé Moon. Voilà, je vous spoil hein, le jeu il a 4 ans normalement, c'est plus interdit de spoil, mais quand vous allez vaincre Moon et Night Knight, il va l'absorber un peu comme dans Dragon Ball ce qu'on peut voir, et il va devenir voilà super Night Knight, Night Knight V2 son nom officiel. Et c'est pas digne de Night Knight V2, je trouve. Elle est pas mal, l'arène. Elle est spacieuse et puis ça me permet, moi, d'utiliser plein de gadgets pour de pièges, justement, qui vont se déclencher pendant le combat. C'était ça, surtout, l'idée. Mais vraiment, si je devais refaire, je la ferais pas comme ça, hein, franchement. Voilà, après, au niveau des shaders, il y a rien à dire, hein, Il n'y a pas grand-chose à modifier, il n'y a pas grand-chose tout court dans la scène. C'est ça surtout, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Puis je vous avais expliqué l'autre fois que
si je refais cette scène de combat, les cinématiques qui vont se dérouler avant le combat et après le combat vont garder l'arène de base, parce que c'est des scènes qui sont distinctes. C'est pas la même scène. Un peu que justement comme dans le dernier Zelda où il y a des lieux qui sont connus dans Hyrule qu'on peut visiter en jouant, qui sont présents dans certaines cinématiques, mais la cinématique, quand elle se déclenche, elle a été faite ailleurs sur le logiciel. Elle n'est pas faite. Il n'y a pas la caméra qui se déplace sur la map, sur le monde ouvert, et qui va poser les personnages à l'endroit. C'est quelque chose qui a été fait à part. Et du coup, si post-cinématique, les mecs, les développeurs, ils changent l'aspect de la scène, bah dans la cinématique en elle-même, bah c'est pas pris en compte, quoi. Logique. Logique. Je sais pas si je suis très clair. J'essaye de l'être. Alors, le parc d'attraction. Par contre, il risque d'y avoir pas mal de textures et de modèles à modifier au niveau des shaders. Et pas du shader, hein. Vous trompez pas. Ça a pas le même goût. Shelleg body. Alors, va falloir regarder les shellegs. Shelleg, Shelleg, où est-ce qu'il y a un Shelleg? N'importe lequel, ouais. N'importe lequel. Ah oui, c'est mieux. Hein. J'ai bien fait de modifier ça. Hein. On va même mettre un peu de gris, voilà. Hop, on intensifie l'ombre. Ils ont leur petite normal map. Shininess à fond, c'était pas mal. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Mille fois mieux, mille fois mieux. Ouais, du coup, les huttes, on l'avait déjà fait. Les totems, ils utilisent quoi? Chez l'Egdor, on l'a déjà vu. Peut-être que ça, dungeon matériel, on peut le modifier, ouais. Déjà les outlines. Un de mes thèmes préférés. Ça c'est le niveau justement avant de se battre contre Nightknight V2. Il y a un long couloir avec plein de pièges. Petite épreuve de course où vous avez un mur avec des flammes, enfin un mur. Le couloir en fait s'effondre à l'arrière au fur et à mesure où vous avancez. Il faut pas se faire rattraper du coup par la destruction du couloir. Nightknight qui fait exploser sa base parce que vous êtes dedans et que vous êtes en train de vous infiltrer. Oula! Alors ça j'avais pas vu. Wood Shiroki. C'est quoi ce stealing bizarre là? On va mettre un autre wood, hein, parce que les... Ça là, c'est pas possible. Double-sided. Ouais, voilà, par exemple. C'est pas possible. Ouais, c'est mieux. Ouais, large. SK Metal 1. Il est fort le... Voilà, il est fort 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 le brillant. Ouais, c'est mieux. Hein. That's better. Join us. Un petit peu en mode 20th Century Boy avec la secte du mec avec la cagoule et l'œil là sur la cagoule.
un de mes mangas préférés. Peu connu parce qu'il n'a pas eu d'animé et que malheureusement les gens attendent toujours qu'il y ait un animé pour mater les mangas. Il y a eu des films, des live-action, mais ça marche moins forcément quand il n'y a pas eu d'animé au préalable. Mais franchement, 20th Century Boy, banger. Franchement, les meilleurs mangas que j'ai lus. C'est l'histoire d'un petit groupe d'enfants à l'école primaire qui s'invente tout un monde, une sorte d'apocalypse, comment le monde va sombrer et tout. Ils se font une histoire en mode shonen, comme les gosses font souvent, où ils s'imaginent tous des rôles et tout. Et genre, ils deviennent adultes, ils se séparent, ils font leur vie, tout ça. Et puis un jour, genre, tout ce qu'ils ont écrit dans leur livre quand ils étaient petits en groupe, c'est en train de se réaliser, genre. Et ils se rejoignent tous en mode, mais tu te rappelles le livre que j'avais écrit, qu'on avait écrit ensemble, machin, c'est quand même bizarre. Et puis ils se rendent compte en fait que tout est lié. Et que non, non, c'est pas un hasard. Spoil pas plus. On est mieux, hein. Franchement, là, on a fait le tour de, je sais pas, 70% des textures. Franchement, on est mieux. On est mieux. À la base, il devait y avoir des PNJ partout dans le centre commercial, le parc d'attractions. Je trouvais pas l'utilité là, c'est pas tellement de la flemme, mais en fait après coup je me suis dit mais je vais pas mettre 800 boutiques avec 800 objets, genre le joueur il va s'en foutre quoi. Il va en regarder une ou deux et puis après il va s'arrêter. Du coup je me suis dit bah je vais le laisser vide. Ça donne vraiment un aspect genre il y avait plein de boutiques avec des barbes à papa, des conneries. Et comme les Night Knights sont en train de tout détruire et ont envahi le parc d'attractions qui est leur nouvelle base. Je me suis dit, ça donnait un côté un peu ville fantôme, qui était plutôt cool. Par contre, pourquoi ça fait des carrés de lumière comme ça au sol? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'y a pas de light map, c'est peut-être pour ça. Ça, je le ferai hors caméra parce que si je lance la light map à 3h30 du mat, c'est toujours pas fini, je crois. Il nous reste un petit quart d'heure, on va essayer d'accélérer pour la fin. De toute façon, je pense qu'on a fait le tour de la plupart des materials. Ouais, genre là, c'est les mêmes que les Shelleg. Peut-être celui-là là qui est un petit peu modifiable. Ça c'est le thème de Night Knight. Le seul et l'unique. Ouais, par contre, blanc s'il te plaît. Voilà, merci. Je sais pas pourquoi il y en a certaines que j'ai mis en gris comme ça fait un peu fade. Une bonne idée. Petite épreuve de course aussi, oui, il y a un bateau qui vous course. Et vous devez fuir en bateau, justement. Avec le bateau de Captain Longer. Et si vous voulez savoir, c'est une voiture avec une route ici avec les roues. Il y a des grosses roues là en fait. Il y a tout simplement un truc plat. Et on a l'impression avec les effets de particules d'eau, etc. quand on avance qu'on est sur l'eau. Mais c'est une voiture. Vous pouvez monter carrément sur la berge et rouler. Bon, personne ne le fait parce que tout le monde joue le jeu quoi. Vous êtes tous des monstres. C'est tous RP à fond à chaque fois. Mais ouais. Si jamais le bateau il vous fait voldinguer là sur les montagnes, vous pouvez
pouvais rouler jusqu'à retrouver l'eau pour continuer le parcours, quoi. Ou alors carrément gruger là et pouf, arriver à la fin du niveau sans être passé par l'eau. Et ça, personne n'y a pensé quand j'ai fait tester le jeu. Aucun de mes testeurs m'a dit, déjà, à aucun de mes testeurs c'est arrivé de sortir et de pouvoir justement continuer à rouler. Donc déjà, c'est que c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Mais aucun de mes testeurs s'est dit, ah, c'est une voiture en fait, et puis l'eau, c'est de la route, quoi. C'est juste qu'on a une texture d'eau qui n'a pas de collider. Donc une plane avec une texture d'eau qui n'a pas de, donc je dis de collider, qui va pas collider avec votre modèle. Qui va donc vous donner l'impression de pénétrer dans l'eau comme un bateau, quoi. Et en dessous, il y a un truc invisible, justement, qui a un collider, comme je viens de vous expliquer. Et aucun de mes potes n'a remarqué le truc, quoi. En même temps, quand t'es un joueur, que t'as un bateau, que t'as la sensation visuelle d'être sur l'eau. Guten Abend. I don't speak German. I'm sorry, dude. Là, c'est dommage qu'il n'y ait pas le pote, qu'il n'y ait pas notre pote Jink, notre pote autrichien, il nous aurait traduit. Habt einen guten Stream. Sans Zuschauer Furnur 0,5 centimes de dollars. Easy mid get viewers pro schnapp dir eine promo für zen kostenlos viewer GVP un MHR ok. Je ne comprends pas, tu ne pourras pas me scam, frérot. Je comprends pas ce que tu me racontes. Désolé, Velunde Find 1807. Je parle pas allemand, je peux pas. À part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, je peux plus. Après, je sais plus. J'ai plus. Die Vögel singen in die Wald. Ich liebe Tartoffel. Voilà. J'ai jamais fait allemand LV2, je suis désolé frérot. Bon là, il y a surtout le terrain, comme je vous ai dit, malheureusement, le terrain. On peut pas le modifier. Enfin, on peut pas le modifier si, mais enfin, j'ai pas les scripts. J'ai pas les scripts pour. D'ailleurs, il y a même pas de lien dans ce que tu m'as envoyé. There is no link in what you gave me, dude. So thanks for the promo code, but I don't know where to put it. On parle toutes les langues sur sur ce stream. On parle français, franglais, anglais, allemand, allemand LV8. Hein. L'opening, le ending est en japonais. Les Globetrotters du dimanche ici. Je vais me mettre à parler chinois et arabe, bientôt vous allez voir, vous allez rien comprendre. Le petit chat est super cool. Ça par contre, définitivement, je suis pas fan du Desert Kit. Ah, c'est mieux. Je préfère. Je sais pas ce que ça va donner dans Desert Sahara, on va voir. Rachète et Clank, ils sont sérieux. Qu'est-ce que tu mets, Rachète et Clank, alors que je suis en train de montrer mon jeu Swiss Knife.
J'ai quatre albums, tu sais, qui sont dispo sur YouTube, mais non, il faut qu'il me propose Ratchet et Clank. Juste pour me faire sauter la vidéo pour atteindre le droit d'auteur. Heureusement, ça va, j'ai cliqué tout de suite. Ok. Okidoki, j'ai envie de dire même. Alors attends, il est où? Ouais, il est là. Il nous reste 10 minutes, on va finir ça. Ah. Desert Sand. Il aime pas trop, hein. Ah, c'est peut-être dans Shadow et Light, hein. Ah, voilà. C'est ça qu'il nous fallait. Yes! Ah, c'est grave mieux, il a une meilleure gueule, le sphinx. Trop marrant ce sphinx. Je me suis tapé une barre quand je l'ai créé, franchement, fou rire. Enfin, il ressemble à rien, il est Busu Kawaii, je trouve. Ah, voilà, ça y est, on commence à parler japonais, trop de langues d'un coup, ouais, désolé. Busu Kawaii. Busu en japonais, ça veut dire moche. Kawaii, ça veut dire mignon. C'est comme les carlins. Imaginez les carlins. C'est le meilleur exemple pour le Busu Kawaii. C'est moche un carlin, mais c'est super mignon, quoi. Comme les chihuahuas un peu. C'est super moche, mais en même temps, il y a un côté mignon. Ouais. Bon, les chihuahuas moins que les carlins, mais... Désolé à tous les fans de chihuahuas. Oh, chihuahua. Zéro outline, merci. Par contre, est-ce que ça n'a pas enlevé l'outline, léger outline qu'il y avait sur les statues de chat? Non, c'est bon, c'est pas la même. Nickel. Alors, on va juste refaire un tour sur Desert Sahara. Voilà, juste pour voir. Allez, frère. Soit ça me zoome, je suis dans l'objet, soit ça me zoome, je suis à l'étranger, quoi. Ouais, c'est mieux. Ouais, carrément, waouh. Carrément mieux. J'aurais dû commencer par là. Allez, on finit les dernières scènes qui nous restent. On était où? C'était route 3 qu'on était. Route 4, c'est le train. On est dans le train. Petit niveau dans le train ou les Night Night, enfin les Night Night, les Swift Night. Attaque le train, essaie de détruire le moteur, il faut le défendre. Petite défense de points. On va le voir exploser, c'est ce qui arrive quand on n'arrive pas à le défendre. Il y a un petit chrono, il faut le défendre jusqu'à la fin du chrono. Classique, rigolo. Non, je pense que c'est une scène. De toute façon, les scènes en intérieur en général. Oh là, la protocine. Oh, la nostalgie. Ah non, c'est pas la. C'est la nouvelle protocine. Ok. Je croyais qu'on allait. On était sur la... Attendez, je trouve la scène test. Test protocine. Abusé à l'ancienne. Première scène de Swiss Knife du coup. Là où j'ai commencé à développer le jeu, voilà. Le village des assets. Avec tous les sols pour les footsteps. Parce que quand votre Swiss Knife il marche, il fait des bruits de pas. Bah, ça forcément faut y penser. Hein. Donc bah, quand il marche sur la neige, on n'a pas envie que ça fasse. On a envie que ça fasse. Bah voilà, bah, il faut faire en sorte que toutes les textures de neige qu'on met au sol, et bah, elles soient détectées comme textures de neige, que la lave c'est pareil, que le bois c'est pareil, que quand c'est dans la boue, dans l'herbe c'est pareil, etc. Quand c'est du métal, quand c'est du plastique, etc. quoi. Ça c'est l'ancienne salle de TP. Tous les TP des scènes qui étaient présentes à l'époque, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus maintenant. Avec là quelques cinématiques que j'avais commencé à faire, voilà là. Ça c'était aussi putain de.
Abusé, c'était il y avait un ancien système avant, parce qu'on peut switch d'un Swiss Knife à l'autre, on contrôle trois robots différents qui ont des capacités complètement différentes. Et à l'époque, dans certaines scènes, il fallait passer dans cette salle pour changer de Swiss Knife. Et finalement, j'ai enlevé l'idée, j'ai fermé les salles comme ça. Et j'ai fait en sorte qu'on puisse switch de Swiss Knife n'importe où, toujours, quoi. Parce que ça n'avait pas beaucoup de sens que sur certaines scènes on puisse et d'autres non. Puis là, c'est tout. Toutes les armes, non, du coup, les armes de l'époque. Parce qu'il y en a plein de nouvelles maintenant. Des chainsaws, il y a des armes à distance. Ah, il y avait déjà toutes les grenades, par contre. Je crois pas que j'en ai ajouté beaucoup. Donc là, on n'est plus dans les musiques de Swiss Knife, même si ça y ressemble. Hein. C'est un autre album que j'ai fait. Que j'ai fait justement juste après. Développement de Swiss Knife, c'est pour ça que ça ressemble un peu. Ah là là, la nostalgie, les eaux aussi. Quand j'ai testé le système de natation, les pentes, parce que quand il y a des pentes trop abruptes, votre Swiss Knife il va glisser. Ah, il y a beaucoup d'options, hein. Il y a l'escalade, il y a beaucoup beaucoup d'options. Là aussi, c'était pour tester justement les différentes. Différents angles de pente, parce que le poids lourd il va glisser beaucoup plus rapidement que l'agilité, par exemple. Poids lourd, c'est le robot de combat, l'agilité, c'est le robot d'exploration. Ah là là, tant de boulot! Volcan Barkhane, on l'a vu aussi. De toute façon, je pense qu'on a tout vu là. Et le jeu n'a plus la même gueule. Pour ceux qui ont regardé les premières images tout à l'heure, ou même pour regarder la semaine dernière quand on a lancé le Unity, là on s'en rend compte parce qu'il y a beaucoup d'assets justement qui sont présents. Et waouh, ça a une meilleure gueule. Hein. Bon, on est toujours sur des vieilles technologies, on le sent. Hein. Puis des modèles low poly, c'est pas des 3D comme Human encore une fois. Hein. C'est pas cyberpunk. Mais hey. Est-ce que Cyberpunk, le mec, il était tout seul derrière son écran? Non. Est-ce que Detroit Becomes Human, le mec à Quantic Dream, il était tout seul dans les bureaux? Non. Donc franchement, je suis pas honteux, franchement. Pour avoir fait tout ça tout seul, je suis pas honteux. Je crois qu'on a tout vu, ouais. Après ça va être des redites. Des redites dans le sens que c'est les mêmes assets que d'autres scènes. Donc les mêmes materials, donc les mêmes shaders, donc ça ne change rien. Ouais, voilà. Cette scène en plus c'est une des plus jolies. J'ai pas envie de la changer. C'est la première scène. Vous commencez le jeu, vous choisissez soit ingénieur, soit agilité, soit poids lourd, pour avoir un tutoriel qui va être différent. C'est pas vraiment le cas en fait, on choisit pas tellement quel genre de Swiss Knife on va jouer tout le long de l'aventure, mais comme c'était. Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu me fous, YouTube? Voilà, merci. C'est des dingues sur YouTube. Je mets ma playlist, il me la coupe. C'est des dingues. Faut que je me fasse strike. Bref. Ouais, au début on choisit entre ingénieur, poids lourd et agilité, mais au final, en vrai, on contrôlera de toute façon les trois. C'était juste une mise en scène au début, parce qu'il y avait le mode en ligne aussi qui permettait d'avoir un monde où on jouait avec les autres, et du coup il y avait cet aspect de choisir un peu comme dans Pokémon son starter, qui est pas resté comme je vous expliquais, mais qui sera sûrement là dans Swiss Knife 2. Ça sera plus simple pour moi de faire des niveaux avec trois chemins, et selon le Swiss Knife que vous avez pris, vous allez pouvoir prendre tel ou tel chemin. Je pense que ça sera ça d'ailleurs dans Swiss Knife 2, hein, d'après ce que j'ai vu. Tu peux réfléchir, un peu noter. Ça sera comme ça, le gameplay sera plus simple pour moi et en même temps plus prenant pour le joueur, je pense. Et donc ouais, on arrive là, et puis il faut justement qu'on monte notre groupe, il faut aller parler aux poids lourds si on est agilité et aux ingénieurs, si on est ingénieur, il faut parler aux agilités, aux poids lourds, etc. Pour monter une équipe, et il y en a, bah lui il a envie de taper les murs, il est complètement débile, lui il a déjà quelqu'un,
Lui, pareil, il est déjà en équipe avec lui. Enfin bref, voilà, il faut aller parler un peu à tout le monde. Eux, ils sont déjà en groupe. Et puis après, il faut aller là. Il y a la cinématique qui commence. Et puis on est parti à l'aventure, quoi. Avec notre petit groupe de 3 Swiss Knives. Ah, c'est plus une mise en scène qu'autre chose. Et franchement, cette scène, je l'aime beaucoup. Trouve qu'elle a de la gueule. Elle est très différente du reste. C'est très bizarre. Mais je trouve qu'elle a de la gueule. J'aime bien. J'aime bien. Bon, il est minuit. Ça fait 3 heures qu'on est en live. Donc, schön. Velund Defined. Donc, schön pour le promo code sans lien. Enfin, on saura jamais où est-ce qu'il faut utiliser ce lien pour gagner 100. 100 Zuschauer. Zuschauer Furnur. On saura pas, le mystère restera entier comme le mystère au chocolat. Écoutez, merci à tous ceux qui ont suivi ce petit live. Franchement, ça m'a fait plaisir de voir un petit peu d'activité dans le chat. Merci du coup à toi, Félix VE11, anciennement connu sous le nom d'Eleven Xart. Hein, je rappelle quand même. Qu'on n'oublie pas. Merci à toi pour le petit follow, ça fait grave plaisir. Je rappelle qu'à 100 followers, on arrive à la sortie de mon prochain album, qui est déjà fini depuis quelques mois, And She Led Me to the Moon. Donc là, on arrive à la fin du goal, là. On est à 76 follow, encore une petite vingtaine, et puis l'album va sortir. Je ferai peut-être un autre goal abonné. Pour voilà, en cas où certains d'entre vous se chauffent pour vous abonner à la chaîne, que je puisse voilà, sortir aussi soit l'album, soit autre chose, je sais pas, je vais voir. Peut-être l'album, comme ça. Qu'on aille une chose à la fois, qu'on fasse une chose à la fois, un goal à la fois. Bref, dans tous les cas, merci. Merci à tous ceux qui follow la chaîne, merci à tous ceux qui reviennent, qui s'inscrivent dans le crew, quoi, en quelque sorte, qui rejoignent le crew. Ça donne de la force, ça donne de la motive, ça me donne envie de continuer, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et que je revois d'une session à l'autre des noms connus, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube si jamais vous voulez voir la VOD, parce que y a aussi la petite VOD qui est disponible tous les jours, à midi, le lendemain. Donc ce soir là, je publie la vidéo. Demain, midi, le petit cours sur Unity sera dispo. Et puis n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord communautaire, d'entraide au niveau artistique et développement, donc avec des petits développeurs, des petits artistes, de plus en plus nombreux qui s'entraident, qui se donnent des petits tips, voilà, qui s'entraident, on vient de le dire, pour faire des projets un peu plus ambitieux parfois. Quand on est seul, bah, je suis le mieux placé pour le dire ici. Et quand on est seul et qu'on a des projets, c'est dur des fois de tout faire. On n'est pas doué dans tout, hein, on a forcément des lacunes dans certains domaines. Donc voilà, créer une petite communauté autour de ça avec des gens qui vont pouvoir s'entraider, des graphistes qui ne sont pas développeurs, qui vont pouvoir rentrer en contact avec des développeurs, qui eux-mêmes ne sont pas forcément graphistes et qui vont avoir besoin d'esthétique pour leur projet de developing, etc. Voilà, le but, c'est que tous ces gens-là puissent se contacter, se rencontrer et créer des projets qu'ils n'auraient pas pu forcément faire seuls, que ce soit par compétence, peut-être par temps aussi, ou tout simplement par peur, parce que des fois ça fait peur d'attaquer des projets avec des compétences qu'on n'a pas, de devoir apprendre des choses en plus de ce qu'on va déjà devoir faire dans notre domaine. Comme j'ai dit, hein, je suis bien placé pour le savoir, et voilà, j'aimerais vous faciliter la tâche, me faciliter aussi la tâche avec une petite communauté d'artistes et de développeurs. Ça serait cool qu'on puisse peut-être à la longue créer des jeux vidéo tous ensemble, créer justement le petit Eclipse Studio et faire des projets beaucoup plus ambitieux qui rassembleraient plein de monde talentueux. Ça serait vraiment un goal pour moi. Et puis si jamais vous n'avez pas la fibre artistique, vous n'êtes pas développeur, vous voulez juste jouer à des jeux vidéo, n'hésitez pas quand même à le rejoindre, puisqu'on a une petite plateforme, le petit cercle pour les joueurs,
qui jouent seuls, pareil, qui ont envie de jouer avec d'autres personnes parce qu'ils se sentent un peu seuls ou parce que c'est un peu dur dans certains jeux de jouer solo, par exemple Rainbow Six, tout ça, c'est vrai que c'est pas agréable de jouer seul. Bah, grâce à vos petits Discord, vous pouvez créer votre petite équipe avec d'autres joueurs de Rainbow Six, d'autres joueurs de Counter-Strike, de LoL, de Valorant, etc. N'hésitez pas à rejoindre le petit Discord communautaire qui est de plus en plus actif. Écoutez, gentes dames, gentes sieurs, mille merci pour votre fidélité encore une fois. Merci Félix, une dernière fois pour le petit follow, ça fait grave plaisir, j'espère te revoir lors de prochains cours Unity ou même de sessions gaming, t'es le bienvenu sur le live. N'hésite pas à passer. Guten Nacht à tous les Allemands et leur promo code. Du coup, on se retrouve nous pour la fin de semaine avant mes vacances. Jeudi, vendredi, donc demain, après-demain, il y aura des petits lives. Demain sûrement Zelda Tears of the Kingdom. Vendredi, je sais pas encore, peut-être encore Zelda Tears of the Kingdom. Comme ça, avant les vacances, on a quand même bien bien avancé sur ce jeu. Ça nous permet à la rentrée, après ma petite semaine sabbatique, de commencer d'autres trucs, d'autres let's play. J'aimerais bien jouer à Detroit Become Human. J'aimerais bien vous faire des petits live react aussi sous des petites vidéos des fois, que ce soit un peu plus chill, que j'ai pas forcément à jouer, qu'on se laisse porter. Puis qu'on rigole ensemble sous des émissions télé. À la rentrée, donc Oshimago qui arrive. Donc mon prochain jeu, un petit Splatoon-like, un mélange entre Splatoon et Mario Sunshine, où il y a une équipe qui va peindre le terrain, l'autre qui va devoir effacer l'encre que l'équipe qui peint pose sur le terrain. Donc un petit jeu versus. Il y a déjà la page du magasin qui est ouverte. Si vous voulez l'ajouter à la wishlist, ça me ferait grave plaisir. Ça donnerait de la force, ça donnerait de la visibilité à mon projet. Et aussi, bien entendu, sous la chaîne Twitch à la rentrée, la petite émission talk show premier degré. Donc qui parlera de pop culture, de technologie, et puis un petit peu de politique et d'actualité. Avec peut-être une équipe, donc peut-être avec Théo, Ico, avec Chaos, avec Demi-J, enfin Mister Demi, pardon. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne et la commu, on va essayer de faire ça. S'ils sont plus chauds, vous savez de toute façon que je vous ferai l'émission solo. Ça sera peut-être un peu moins intéressant, mais je ferai l'émission solo, ça les motivera peut-être à me rejoindre par la suite. On verra. En attendant, c'était Eno, votre humble serviteur. On se retrouve demain à la même heure donc pour un live Zelda Tears of the Kingdom. Bonne soirée à tous les couche-tard, bonne nuit à tous les couche-tôt. Bon appétit à tous les fous qui, comme moi, n'ont pas mangé et ont la dalle. Prenez soin de vous, gardez la pêche. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec le petit ending à la japonaise. Tchuss.